Et ben voilà. Attendez. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus que d'habitude. Voilà. On est bien là. On est bien là. Et Sia qui est là first jusqu'au moment où elle se rend compte qu'en fait c'est pas du Genshin et elle s'est dit. Bon. Même si elle le savait en fait. Mais je sais pourquoi elle est là. Je sais pourquoi elle est là. Mais Kishni, elle est là pour toi. Regarde, elle t'aime bien. Non, non. Non, elle est pas là pour. Non. Salut, what's up, mon G? Salut, Ced. Salut, Mando. Oula. Salut à tous. Effectivement, tu approches de la meilleure séquence du jeu. Bah, on va aller voir ça. On va essayer de pas trop perdre de temps. Hein. On va pas faire comme dans du Genshin. Hein. Parce que sinon, ça va y aller, les alertes de. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Ou alors du. Bon, tu joues là? Parce que Mando, ça fait un petit moment que t'es pas venu. Mais tu peux aller voir du côté des alertes, il y a pas mal de petites choses. Sachant que je les ai adaptées au live de Jedi Survivor. Alors j'ai pas beaucoup d'alertes spéciales Jedi Survivor, mais tout ce qui concernait Genshin, je les ai enlevées temporairement le temps de ce live. Et ce sera pareil pour celui de Minecraft, évidemment. Cet homme est lucide. Oui. Je suis un peu là pour toi et beaucoup là pour les How is points. the desert treating you, BD? Ça va, on va dire que je le prends pas He trop likes it out mal. here. Bref, allez. Donc, apparemment là, on va avoir la meilleure séquence du jeu. T'as pas bronzé depuis la dernière fois, Mérine? Parce que là, quand même, t'es resté quelques jours au soleil, là. Bref. On arrête les conneries. Là, c'est parti. On va directement se. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Faut qu'on aille se fight là? Tu viens m'aider ou. Comment je fais des. Ok. Et comment je l'utilise déjà, Mérine? Steady now. Attends. Attends, comment je fais? Là. Si je veux l'utiliser, c'est pas R1? Attends. Triangle? Non, oula. Excuse-moi, Mérine. Je sais plus. Rond? Non, bah non, c'est R1 normalement. Ah bah non, là je l'appelle. Merde, je sais plus comment. Bon. Je sais plus comment on lui dit d'attaquer. Bon, en tout cas, eux ils sont partis. On va monter sur lui. Voilà. On va aller récupérer le. Déjà, faut que j'aille où? That's good. Oula. Ah oui. Oula. Mais ça, c'est. Rumeur. Non. On s'en fout des rumeurs, hein. Hein? De toute façon, Scan, il est pas là. Scan, il est pas là. On fout, on rush le jeu, on rush le jeu aujourd'hui. Il est pas là. On n'a pas obligé de tout lire. Salut. Hey, amiral. Tiens. Allez, j'en profite pour te répondre parce que. J'ai raté la meilleure séquence du jeu. Merde, il est là, merde. Oui, ben. Ah, ben. Essaye de rester comme tu peux, mais bon, si t'as d'autres priorités. T'as dit quoi sur moi? Rien? Tu peux demander à tout le monde? J'ai rien dit sur. Non, rien. Amiral, je te réponds juste par rapport à ta question. Tu me dis, j'ai vu qu'il y a un salon Breaking News, comment on fait pour participer? Oui, il y a des droits, Amiral, pour participer. Parce qu'en fait, je laisse pas tout le monde la possibilité de faire des breaking news, parce que je veux qu'elles soient quand même un tant soit peu bien écrites, qu'il y ait une image, qu'il y ait au moins de l'explication, que si jamais c'est en anglais, que ce soit traduit, tu vois, et que ce soit pas trop non plus sur un certain sujet, tu vois, histoire que ça floute pas trop. Mais si tu penses que tu peux respecter toutes ces conditions, c'est-à-dire faire des news, How many safe houses does the path have left? I do not know, but I suspect there are not many. Des news intéressantes, pas trop longues, tu vois, bien présentées et tout. Moi, il n'y a pas de problème, je peux te donner les droits. Hein. Il va rush exceptionnellement pour arriver à cette sublime séquence. Voilà. Je veux pas jouer à Genshin, sinon je vais avoir des problèmes. Salut Kishni! Hey, salut Parisien! Ouais, en gros, Scan, je disais juste que vu que t'es pas là, je suis pas obligé de tout lire et tout. Je sais pas si t'as suivi à Amiral ce que je t'ai dit, sinon je te ferai un message après, hein. Il n'y a pas de problème. Mais là, on va se concentrer sur le jeu. On va le rusher, eux on va être efficace. You remind me of home, you know. Were you hungry? Now you will feed the other creatures. On va lire. Ah, c'est pas très long. Les déserts de Jedha abritent de nombreuses créatures dangereuses. All right.
Bon stream, la populace, merci Scan, et puis bah bon courage pour ce que t'as à faire, quoi que ce soit. Bah ça va nickel, Parisien, et toi? Bon, ça nous attaque ça là-haut là? Non, j'ai pas l'impression. Je sais pas trop où on s'en va là, mais... Oulala! Non mais nous on prend pas part, nous. Non, non. Nous on... Oula. Nous on les regarde se battre. Voilà. C'est bien ça, non? Oula, tu m'as fait peur, Mary. Ok, on va sauvegarder ici. Ce sera fait. Méditer. On a combien? Un point de compétence? Bon, c'est pas assez. D'accord, c'est sympa de m'avoir répondu, mais oui, je pense que je suis capable de suivre cette règle, je vais faire attention. Il n'y a pas de problème, je te fais confiance, Amiral, je te donnerai ça dès que je peux, parce qu'aujourd'hui je vais être pas mal en live, demain aussi. Demain, pour vous dire, bah tiens, pour ceux qui sont là, je vous donne l'exclu, même si c'est vrai que ça, j'en ai jamais parlé en fait, mais demain en fait, il y a un Parlons Star Wars au début de journée, puis après le reste je ferai que du Genshin le reste de la journée, mais à peu près à 14h normalement, si tout va bien. Attends, 14, non 15h, vers 15h heure française, il y aura un live sur le livre Shadow of the Sith qu'on a lu avec Bruce et Xana. Et après ce sera du Genshin. Donc voilà, après, mais par contre samedi, on va, si vous êtes chaud, on va liver après sur Genshin le reste de la journée jusqu'au bout de la nuit. Alors là, là je vous dis, on va faire ça comme il faut. Là. Si vous voulez engranger des points, ce sera maintenant. Là. Pourquoi t'es habillé comme moi? Mais parce que tu me copites! Kishni, 15 ans, puceau depuis 2015. Ouais, surtout que je me suis rasé. Donc là, je pense que je fais 17-18 ans là. Moi, à l'heure presque, c'est quoi ce bordel? Oh, Willou! T'es à l'heure, mais c'est quoi ce bordel? En plus, là, apparemment, il y a une bonne séquence, donc... Et désolé de t'avoir dérangé en live, mais tu me déranges pas, Amiral. Tu sais bien que t'es toujours le bienvenu. Moi, je peux te répondre, c'est plus pratique pour moi. Vu que j'étais en live, je t'ai dit, vas-y, passe un moment. Genshin. Oui, il y aura Genshin, t'inquiète. Il y a juste aujourd'hui où il n'y a pas de Genshin. Voilà, va falloir... je suis pas down de live sur Genshin. De quoi t'es pas down de live sur Genshin? Oui, non mais toi, je sais. C'est toi qui copie mes outfits, c'est moi ta styliste. Alors c'est vrai que t'es ma styliste, j'avoue. J'avoue que là-dessus... Alors à mon avis, il faut que je passe là-bas, hein, parce que... Là, ce sera un raccourci ici, quand on reviendra. C'est quoi, c'est une grosse bébête? On dirait un gros alien. Ah non, c'est la statue du... De Kit Fisto, là, on dirait un peu, non? Bon, les autres, ils se sont battus, hein. Nous, on les a laissés faire. Hein. Puis là, j'ai l'impression que c'est des trucs où on peut s'accrocher, non? On sait rien, on va voir. Mais c'est des champs? C'est des... Ouais, c'est des... Ok, d'accord, oui, je vois ce que c'est. Elles sont déjà presque mortes, c'est... Aïe! Ah, tu m'as fait mal! Du calme! Wow! J'ai déjà perdu pas mal de vie à cause de leur connerie. Là. Bon. Est-ce que je vais au bon endroit? Parce que alors là, si je me perds dans le désert, on est mort. Hein. Ok, donc là, faut que j'aille à droite et après, ça rejoint l'objectif principal. C'est bon, on est bien. Putain, Mérine, tu me fais peur à chaque fois, je te jure. Apparais pas comme ça à côté de moi. Tu me fais flipper. Je sais pas si c'est un spoil, mais je suis à 12 Steam, une dinguerie. Ah ouais, bah c'est pas forcément un spoil, je pense que si jamais tu fais pas comme moi... Oh. Putain. Attends, faut que je reprenne les... Attends, faut que je reprenne le... Faut que je reprenne mes marques. Bon, ça va revenir. Vas-y, tire si tu l'oses. Bah t'as osé. Tu tireras plus maintenant. Ah oh, putain, c'était Mérine. D'ailleurs, je sais plus comment. Je sais toujours pas comment je fais pour lui dire quoi faire. Je sais. Re Poutine. Comment ça va, Poutine? Bon, c'est pas du Genshin, hein. Mais.
De temps en temps, on fait un peu d'autres jeux, quoi. Mais moi, je reste le même, hein. C'est là où on voit si vous êtes là pour moi ou pour le jeu. Le mec qui cherche les problèmes. Je plaisante. Alors, bon, on peut aller là. Il y en a un qui regarde un peu en l'air, je sais pas trop ce qu'il fout, là. Mais qu'est-ce qu'il fout ? Ça va et toi ? Bah ouais, ça va nickel et toi ? Ça va et toi ? Oui, ça va et toi ? Oui, ça va et toi ? Non, c'est bon, t'as pas besoin de me répondre. Je cherche toujours quelqu'un pour m'aider vu que je me suis endormi. Ah merde ! Bah s'il y a quelqu'un qui... Bah fais tout, Mérine. Hein. S'il y a quelqu'un qui veut aider Poutine sur Genshin, je pense que Poutine a juste besoin d'accéder au monde de quelqu'un pour aller voler les poissons. Voilà. Donc si vous vous sentez d'une âme charitable, vous pouvez l'aider. Sinon, bah écoute... Au pire, remets un message dans le fil Genshin et peut-être qu'il y a des gens là qui seront réveillés et qui pourront t'aider. Voilà, voilà. Donc ok, on va aller par là. Mais je sais toujours pas si je peux m'accrocher à ces machines là. Je peux ? Oui, non, non, oui. Grappin ? Pas grappin. Oh si, on peut normalement. Non ? Ah ! Est-ce que je vois un truc là pour s'accrocher au mur là ? Ah, mais si, mais attends, mais normalement, mais... Mérine, elle peut m'aider. Mais je sais plus la touche. C'est quoi la touche? Putain, j'ai peur de faire une connerie. C'est quoi la touche? Sérieux. Capacité, données, guide tactique, je sais plus. Moi, normalement, vous l'affichiez là en bas, là. Il y a la tête de Mérine, là. Aidez-moi. Non mais Survivor, c'est mieux que Genshin, t'inquiète. Ah, ça dépend pour qui. Ah, non. Attends, mais c'est quoi la touche? Tu joues sur quoi? PS? Et je sais, j'ai tout essayé. Attends, qu'est-ce que j'ai pas essayé? Ah, les touches directionnelles? Non. Ah, si. Ah non, non, bah non. Hein, non. Ah, ok. Je connais pas du tout le jeu. Bah merci d'essayer au moins. Mais bon, apparemment c'est peut-être pas là alors. Tu vas pas me spoil. Ah, parce qu'à mon avis, c'est pas là. C'est pas comme ça. C'est à mon avis. Sometimes everything out in the desert starts to look the same. You must focus on what is different. That is how you will not get lost. Ok, tu dois te focaliser sur les choses qui semblent différentes. Comme ça, tu ne seras pas perdu. Je crois que c'est ce qu'elle a dit. Hein. J'ai pas lu, mais j'ai compris l'anglais. Donc apparemment, il y a l'air d'avoir un... peut-être qu'il faut s'aider de eux, mais je sais qu'il y a un... Il y a l'air d'avoir un truc sur la map ici. Donc j'ai l'impression que c'est là. Hein. Ouais, moi c'est ce que j'ai vu sur la map. Donc ça doit être là. Allez, on va essayer. Ouais, ça doit être... ouais, c'est ça, c'est bon, c'est ça. C'est sûr. Oula, calmez-vous. Il crache dessus. Ok, on y va. C'est là. On va leur faire une attaque plongeante là. Bim! Toi, dans l'abîme. Salut les gens. Putain, il y a un K2SO là. Attends, t'es sorti de sous terre toi. Oula. Oh bah tant mieux. Parfait. Voilà. Scaninoune, il va... Droïde de sécurité, ok. Bon, je vais rester un peu, finalement. Ah, ça fait plaisir, ça. J'espère que c'est bientôt, la séquence. Comme ça, tu pourras la voir. Apparemment... Oh, putain, c'est impressionnant. Ouah ! Dégage-toi. Le gars qui cherche pas à se battre. C'est pas grave, on rush. Oula, oula, oula. C'est bon, on maîtrise.
I wonder if destroying the holocron had any impact. Attends. We protected the children on that list. But there are others. And the Empire is still hunting them down. Just so. Ah, ok, je m'accroche là. Tu t'accroches ici. Mais là. Ah, d'accord. Ok, on fait Crash Bandicoot. Ta Mérine, tu me fais peur à chaque fois, je te jure. Je te vois à chaque fois apparaître comme ça avec ta fumée verte. Là, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fabrique? J'aime bien ces genres de phases là. Vraiment cool. Bonne phase de plateforme. Un peu à la Uncharted, mais waouh. Attendez, Jedha là. Eh, franchement, ça rappelle là, il manque plus que l'étoile de la mort là, ou l'étoile noire, je sais plus laquelle c'est la première à chaque fois. Le rayon là. Et puis l'espèce de truc qui vient sur nous. Bon, on va crever, hein. Bon, bah, remarque, on pourrait faire comme avec. Fais n'importe quoi. Non, je fais pas n'importe quoi. Attends, je joue bien depuis tout à l'heure. Hein. Là, j'observe, c'est bio là. Mais mine de rien, je pourrais faire comme Jean et Andor. En fait, on pourrait finir tous les deux là en train de mourir et à s'embrasser. Mérine, tu viens? Ah, c'est parce que c'est pas la fin du monde. D'accord, bon, je comprends. Bon. C'est pas tout de suite, mais ça approche. D'accord, d'accord. C'est dans 2 heures la séquence. Calves Windu. Amiral qui me dit qu'est-ce qu'il fait. Cette scène de Rogue One, et oui. J'ai fait quoi, là? Bah, t'as utilisé tes points de chaîne pour faire apparaître un message vocal sur le stream. Tu peux utiliser tes points de chaîne pour un peu interagir avec moi avec des messages vocaux. Genre, qu'est-ce qu'il fait? Ou, ah, c'est beau. Ou, c'est quand que tu joues, quand tu vois que je joue pas. Comme là, par exemple, tu vois, je parle au chat, donc tu pourrais dire... Voilà, donc tu peux utiliser tes points de chaîne de manière marrante, quoi. Voilà. Allez, active-moi ça. J'ai envie de l'appeler scan à chaque fois. Alors, raccourci débloqué, on rentre dans l'antre. Qu'est-ce qu'on va y trouver? Ah, il y a un établi. Attendez, il y a un établi. On change la couleur du sabre. Qu'est-ce qu'ils me disent? Lorsqu'elle est équipée, la posture de garde ajoute un nouvel élément au sabre laser. Ah oui. L'accélération se déploie. Ok, ouais. C'est rien pour prévisualiser différents. Ok. Ok, donc on va changer la couleur. Quelle couleur vous voulez sur le chat? Tiens, on pourrait faire un sondage en vrai. Hein. Si Sia, t'es encore là, on pourrait essayer... Oh ouais, mais ça fait beaucoup à mettre. En fait, il faudrait mettre toutes ces couleurs là. Garde le violet. Nanananana, on a dit qu'on changeait à chaque fois. Quel sondage? Bah, en gros, tu inclus pas le violet, mais en gros, tu dis quelle couleur... Quelle couleur de sabre je choisis? Bleu, vert, jaune, rose, orange, gris, ben un peu tous ceux qui sont là. Si tu les inclus pas tous, c'est pas grave, mais... Ouais, je te donne 2 minutes, y a pas de problème, merci, c'est gentil. Quelle couleur de sabre je choisis? Et tu mets que 1 minute le sondage, hein, en vrai, hein, parce qu'on va pas rester 36 000 heures, parce que sinon, il y en a qui vont me dire « C'est quand que tu joues, là ?» Mais moi, perso, si c'était moi, on va voir si ce sera comme le chat, mais si c'était moi, je choisirais... soit je me la joue à la Yoda avec le vert, soit le orange est sympa, il fait un petit peu gold. Mais bon, c'est plus lui qui fait gold en vrai. Mais lui, il aurait mérité d'être un peu plus foncé. Le bleu, après, c'est la base. Le bleu. Après, bon, il y a les blancs, mais eux, on les avait déjà pris. Je serais moi. Je tenterais peut-être celui-là, je sais pas. Il y a un bonus en New Game quand tu auras fini le jeu pour le sabre. Ah, d'accord. Petit vert pour contraster. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas le vert? Mais on va voir. C'est vous qui allez choisir. Sia est en train de nous concocter un petit sondage que vous allez voir apparaître. On va voir, normalement c'est qu'une minute. Et puis bah, vous aurez le droit de choisir. Voilà, bah, parfait. Qu'est-ce qu'elle est efficace et rapide. Et ben moi... Moi je choisirais le... Bah non, je vais pas choisir moi. Je vais pas voter. Je vous laisse choisir. Et violet... Non, je lui ai dit de pas inclure le violet. Elle a bien fait. Parce qu'on l'a déjà et de toute façon on doit le changer.
Oh, vous êtes tellement dispersés. Un vert, un jaune, un rose, un orange. Je pense savoir qui a voté le rose. Le vert, je pense aussi. Et faut vous décider, les gens, là. Vous êtes 11 sur le stream. Il y en a que 4 qui ont voté. Hein. Là, il faut donner une couleur. Même si vous n'êtes pas fan de Star Wars, même si vous en foutez, donnez une couleur, là. Allez-y. Faites-moi plaisir, là. Alors là, que la personne qui a voté rose se dénonce. Ah, je pensais que c'était toi, si. Hein. Ou alors, tu joues très bien ton jeu. Non, mais là, c'est terminé. Il y a un vote partout. Mais... Bleu, vert, jaune, rose, orange. Bon, pour le contraste, on va mettre vert. Voilà, c'est moi qui choisis. Allez. Si j'avais voté, j'aurais choisi vert. Donc, ça aurait fait 2 contre tout le reste. Allez. Et ben voilà. En plus, les gens, on match avec Meryn. Attends, on est efficace, non ? Vert, c'est la pire couleur de l'histoire. Bah, Luke Skywalker, Yoda, non. Pas la pire. Vert l'emporte, évidemment. Allez. Alors là... Oh, ok. Va falloir qu'on le pousse et qu'on fasse rouler ceci. Ok, donc j'ai compris. Donc on commence par celle-là. Ensuite, celui-là, on va le pousser. On remonte en haut. Et on fait ça. Parfait. Je veux bien, mais... toi, tu peux voler, mais moi... Ah, non, mais c'est bon, j'ai compris. Ah, mais... Il ne faut pas longtemps pour comprendre. N'en faites pas. Moi, tu matches avec ta girlfriend. Exactement. Et c'est les environnements... The safe house is in there. Yes. Des tailleux en plus là. Perfect place to hide from the Empire. Si on n'est pas dans Star Wars là, we'll find Brother Armias. Vraiment la classe. I hope so. We will take the back route. It is the fastest way. Mais en vrai, j'aime bien. Vous voyez, Kobo, c'était assez dispersé, quoi. Monde ouvert. Là, on a plutôt des chemins, à part si on a des petites portions de désert assez. Oula. Une pince chacun ? Ouais, mais moi j'en pince pour toi. Pardon, oui, une pince chacun, oui. Oh putain ! Bon, alors là. Ah, bah je suis mort. Presque. Ah, c'est R1 ! C'est R1 pour Meryn ! C'est bon. Aïe, aïe. Bon, attends. Ouf, je me fais bolos. Non mais attendez, non, je me suis fait avoir par l'autre là, hein? L'autre espèce de truc là, machin qui est plus fort que le boss final. Je vais pas me faire avoir par ça, je suis désolé, hein? Oh. Attends, ça aussi je peux faire en sorte qu'il... Ah, il faudrait que je mette de Meryn un peu. Oh, bien joué Meryn. Et ben voilà. Nasty things. Did you find the way to Tantalor? Not yet. But we found some devices from the High Republic. Par contre, j'ai plus de vie. Inspecting them now. Seer and her master are quite the pair. They've been a vital asset to the path since they joined us. Did you come across any other Jedi on your travels? No, Cal. If I had, c'était nul, Kishni. Faut que t'arrêtes les jeux de mots pourris. Non, non. Coucou, je panier le scri saumon. Ah oui, d'accord. Ah, c'était un scri saumon. Je viens de comprendre. Bon, ça, à mon avis, c'était... Ouais, c'était pas obligatoire ça. Hein. D'accord, mais ça, à mon avis, à un moment, je vais pouvoir monter dessus, c'est obligé. Hein.
Parce que c'est pas la première planète où il y a des espèces de trucs comme ça. Let's go. Oula. Un peu tôt, non, c'est bon, parfait. Tiens, on va débloquer le raccourci de... Ah, attends, parfait. Ah, parfait, parfait. Oui, active. On va aller sauvegarder parce que là, il me manque terriblement de steam. Salut la jeunesse. Oh, petit muffin. Comment ça va, fameux... Finishing. Comment ça va? Se reposer. Ok, niveau compétences pour le moment, on continue. Ready to go? Yes. Il y a un truc là-haut. Il y a un truc là-haut, mais... J'ai l'impression qu'il faut... Ouais. J'ai l'impression qu'il faut passer par là. Et t'as... Voilà, t'as tous des trucs là pour passer. Attends. Je suis sûr que je peux... On essaye? Je suis mort. Y a vraiment pas... Attends, comment je fais pour... Bah pour le moment je peux peut-être pas, mais après peut-être qu'un jour je pourrais me faire une sorte de poussée de force ou pendant que je suis sur le câble. Ouais non, ça me paraît un peu complexe, non. Et 10 personnes sur le live quand même. Bah oui, mais attends, ça c'est grâce au live Genshin. Donc tu vois, tu dis que Genshin c'est mieux ou quoi que ce soit, mais non. Que Jedi Survivor c'est mieux, mais c'est un tout. Ça représente un tout, tu vois. Ça va nickel et toi? Bah ça va nickel aussi. Ça ne peut que aller bien, je suis encore en vacances pendant un petit peu de temps. On est vendredi, je reprends lundi, mais bon. Wow. Let's split up. I will slow their progress. We'll regroup near the temple. Attends, et là? Ouais, je peux rien faire, hein, de toute façon. Hein. Bon, on va continuer. Mais c'est dommage. Parce que je suis sûr qu'on pouvait y aller, mais soit j'ai pas assez cherché. Eh, on dirait un peu infrastructure de palais de Jabba. Hein. Je sais que c'est pas la même planète, mais le chemin. Une ancienne inscription accueille les voyageurs au début du chemin du pèlerin, une route fréquentée depuis longtemps par ceux qui se consacrent au culte de la force. Ah ouais, donc c'est une sorte de... Chemin, enfin c'est du pèlerinage là quoi. Bah de toute façon, Jedha, on s'en doute en vrai. Une petite alcôve là, qu'est-ce qu'elle cache? Je suis sûr que à mon avis, je dois pas trop aller m'enfoncer là-dedans. Hein. C'est surtout que il y a une barrière donc. Parce que la dernière fois que je m'étais enfoncé dans un truc comme ça, vous m'avez dit bon bah c'est bon, on finira qu'en 2049. Bon, ça c'est fermé ici. Est-ce que j'ai pas moyen de grimper dans ces genres d'endroits? Non, pas trop possibilité. Si j'avais amené un... Ouais. Espèce de chameau, là. Chameau girafe, là. Ça pourrait aider. Le problème, c'est qu'il aurait pas pu venir jusqu'ici, le bourre. Un établi encore? Ouais, mais non, mais là, on change pas. On va pas changer tout de suite, eh. On vient de changer. On va pas refaire faire un sondage, surtout que... Oula. Surtout que ça a pas servi à grand chose. Hein. Vous avez pas fait honneur à Sia. Je suis pas content. Vas-y, acharne-toi. Ah oui, c'est celui qui est un peu... qui est un peu amnésique pendant qu'il se bat. Il a bugué. Voilà. Il m'a quand même fait mal. Hein. Change de couleur maintenant, t'avais dit à chaque établi. Ben non, on vient d'y arriver. Oh. Et puis en plus, t'as vu à quoi ça a servi? On va garder un peu le vert quand même. Et oh. Ok.
D'accord. Eh ben. Ah ok. Waouh, attends, quoi? Attends, attends. Ça a quoi ça? Hein? Et je suppose qu'on peut l'accrocher quelque part, mais je peux. Hein? Que quoi? Pardon? Je peux l'attraper de là? Ah, attends, peut-être de là? Ok. Ah! Ah, d'accord! Ok, c'est bon, j'ai compris. Allez, lâche! C'est bon. Je vous ai dit, on comprend vite. Au bout d'un moment, ça rentre. J'aime que le violet. Bah oui, mais on l'a quand même gardé longtemps pour le violet. Non, là, on voit rien. Quoi, mais il en fout. Stim here. Thank you, buddy. Devoted to the very end. Dévotion jusqu'au bout. Les gardiens du temple de Jeddah restent vigilants même après leur mort. Voilà, on va rester sur nos gardes. Hein. Ah, comme ça, on voit bien. A scroll. Let's save it. Oh non. Oh là là. Mais vous arrêtez d'exploser aussi. Buddy, help. Il est passé. Oh là là. Et mais c'est qu'on voit vraiment que dalle. Je les vois pas quand ils vont exploser. Regardez, je suis rendu à plus qu'un steam là. C'est inadmissible. R2. D'accord. On voit rien. Et pourquoi il l'a pas relancé? Je comprends pas. Normalement, j'ai une technique qui me permet de le relancer. C'est bon là? Et avec ça? Ok, bon, on va aller là, on va bien voir. Hein. Ça a l'air d'être là. Là, on débloque un raccourci, c'est ça? Mais, est-ce qu'on avait une station de sauvegarde? Moins, hein, quand même. Hein. Donc là, je pense qu'on va devoir faire avec un seul steam jusqu'à la prochaine station de sauvegarde. Au moins maintenant, on a... Ah bah, c'est comme ça en fait qu'on va réussir. Oh. Bah là, je peux pas aller là-bas, là. Attends. Non, mais je... J'apprends. Je trouve ça tellement moche, je vomis mes yeux, là. T'as vu comme c'est bio? Alors, je vois que je peux aller là, ouais. Mais est-ce qu'il y a quelque chose en bas qui serait intéressant? Il y a ça. Et, ah oui, d'accord, là je peux ouvrir, parfait. Ça m'ouvre un espèce de petit raccourci. Comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Comme ça, même si je meurs, au moins j'aurais débloqué les raccourcis. Ça reste, hein, je crois. Ah, Zepho. Là, faut que je puisse monter là-haut. Mais... J'aimerais bien monter là-haut. Ah, attends. Oui. Je sens que le vent va pas nous aider. Bretagne Simulator.
Pas mal ça. Ah, je peux pas monter là-dessus, bon, d'accord. Ouais, on n'est pas comme dans Genshin, hein, on peut pas monter partout. Can't make that. Too windy. Ah, t'y arriveras pas? Oh, les cheveux! Ah, les cheveux, c'est très bien fait. Hein. Budget cheveux. Eden Shoulders, là, il pourrait faire une pub. Ok, donc, apparemment, il y a trop de vent. Donc, tu ne peux pas. Très bien. Je peux aller là-bas? Attention. Ah, oh, si, 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 si. Attendez, attendez. D'accord. Ah, pas mal. You ever heard anything like that before? Almost like music. Parfait. On va tout récupérer. Ça, c'est tant mieux. Time to move. Salut les gars. Bon vol. Oh, je l'avais pas vu. Oh là, c'est... Attends, attends, viens là, toi, viens là, viens là, viens là. Allez. Oh merde. Attendez, c'est vrai qu'il faut que j'utilise l'autre. Voilà. Vas-y. Attaque normale, s'il te plaît. Non. Voilà. Ox et bio. Point de compétence obtenu. Parfait. Bon. Ouais, va falloir faire quelque chose par rapport au vent. Pour le moment, tant qu'on peut avancer, on va avancer. Une petite grotte, parfait. Ok, là, je redoute, mais je pense que je peux. Me revoilà, re-amiral. Tu es certainement arrivé pour la séquence. Et là, je peux, là? Non, là, je peux pas, là. Non, on va pas faire les cons. Non. On va jouer l'intelli. On est d'accord que là, je peux me laisser tomber. Hein. Voilà. On va pas se jeter dans la gueule du loup. Soyons intelligents. D'accord? Réfléchissons à ce qu'on fait. Ouf. Vaut mieux se mettre à gauche, alors, hein, quand tu sautes. Ouais. Là, il vaut mieux se mettre le plus à gauche possible. Ok. Ça, c'est bon. Attends. Attends. Ah merde, mais non! J'aurais dû appuyer sur L2. Merde. Vas-y, depuis quand il passe plus de temps à jouer qu'à parler à son chat? Bah écoute. On va dire que j'ai gagné en efficacité. Mais là, j'avoue que j'ai pas très bien joué. J'ai pas compris en fait ce qu'il y avait après. De toute façon, là je peux pas monter ici, non. Mais qu'est-ce qu'il y a après? Faut que j'aille où là après? Où je me laisse glisser, non? Il y a une espèce d'autre tuyau en bas ou. Tu peux voir? Ouais, j'ai l'impression que j'aurais juste dû me laisser glisser. Bon, bah faisons ça. Parfait. Là, vaut mieux que je me mette plus à gauche. Ok. Marin mentioned this was the background, right? D'ailleurs, elle est où, Marin? They've been through enough. Cool. Y a quoi derrière? Rien. On y va. Gagner en efficacité. Tu veux surtout finir le jeu pour que je joue à Genshin? Non. Non. J'ai vu proche, je suis là, mais là j'ai l'impression que. Mais ça devrait nous aider à faire quoi? Ah, c'est tout à l'heure, non? Attends.
pas. Attends. Mais il n'était pas censé ne plus y avoir de vent vu que je l'ai bloqué là. Attends, mais il y a encore du vent. Il y a un truc que je comprends pas là. Ah, attends, quoi? Oh, ok. Et là, je peux l'atteindre vu qu'il y a du vent. Parfait, ça. En fait, c'est le vent, c'est pas qu'il y en a plus, c'est juste qu'il y en a plus à un certain endroit. Ah, et là, du coup, ça tourne plus. Et je peux faire ça. Waouh, ok. Non, c'est bien, c'est intelligent. Vous voyez, la difficulté, je la trouve vraiment bien dosée, quoi, là. Et pour faire de la difficulté bien dosée dans un monde en 3D... avec des phases de plateforme comme ça dans un jeu tel que Jedi Survivor, c'est bien, c'est intelligent. Les gars, j'arrive. Ou pas. On avance bien, non? En vrai. Regardez, on avance tellement bien. Personne ne parle, personne se fout de ma gueule pour une fois. Et on avance. Vous êtes religieusement sage. Ok, donc ça sera un raccourci, on va utiliser un style. Oula, bon, on va aller regarder se battre. Hein. Ouais, non, allez, vas-y. Alors, Meryn. Ok, salut toi. Stop them. Attends, mais là, il n'y a même pas Meryn. On va utiliser le gros. Merde, putain. Non. Oh là là, mais attends, mais là, je suis dans la mouise, là. Merde, putain, je croyais qu'il allait faire la queue. Merde, oh, il est trop rapide. Recommencer de je sais pas où en plus là. Meryn t'aime pas, elle me préfère. Bah oui. Satisfaisant de voir du gameplay fluide, c'est normal. Bah oui, mais là, je suis assez déçu de ce que je viens de faire en vrai. Hein. Mais bon. Je suis même très très déçu d'ailleurs. Parce que là, je l'avais en main, j'avais plus qu'à le bloquer une seule fois. J'avais plus qu'à le bloquer une seule fois et puis il était fait quoi. Mais depuis quand tu fais trois fois un truc rouge? Non mais vas-y là, non mais vas-y là. Ah ça y est, on fait n'importe quoi. Allez, non, dégage. Non. Non, tout mais sauf ça. Non, mais arrête. Tu vois bien que rien ne va plus là. Je retire mon précédent message. Ah bah il fallait bien, hein. Je soutiens cette proposition. Technique. Mais attends, quelle proposition là? Wow. Ah bah qui joue. Attends, mais je... non. De quoi? Quelle proposition? Que Meryn m'aime pas? Techniquement, vous êtes des noobs de mon point de vue. Ah bah oui, non mais toi aussi t'es trop. Ah merde, je peux pas me reposer parce qu'il y a l'autre qui me poursuit là-bas. C'est bon? Peu, là. Merci. Bon, on recommence. Tout va bien. On va se concentrer. Oh.
Ouais, oh, c'était quoi ça? C'est pas mal. Ah, tu peux faire un truc. Ah ouais, c'est bien ça, dis donc. Et là, on a bien joué. Là, on a excellemment bien joué. En plus, on peut continuer par là. C'est parfait. C'est bon, c'est bon. On rattrape. On rattrape, vous en faites pas. Ok. Mais j'ai pas compris. Par contre, elle est passée où, Mérine, là ? Pourquoi tu prends pas le raccourci ? Quel raccourci ? Mais je viens de le prendre. Laisse-moi me battre contre K2SO avant. Non mais... À moins qu'il y avait un autre raccourci, mais je m'en souviens pas. Je crois pas qu'il y en avait un. Ouais, la tyrolienne, oui. Ah non, mais là, ici, là ? Ah mais c'était ça ! Bon, d'accord, ok. Bah, je saurai maintenant. Écoute, c'était pour mon ego. C'est ça, brûlez-le, ouais, brûlez-le, allez-y. D'accord. Oula. Il m'a jamais fait ça, par moi. Ah si, ça y est. Bon. Allez, à nous deux. Mais j'étais loin ! Non, mais là, c'est abusé. C'est abusé, j'étais super loin. N'importe quoi. Oui, Giganou, bah, je sais, bah viens me faire à ma place. Toi, je sais que t'es bon, donc... pas de problème ? Bah oui, marre-toi. Allez, où la tyrolienne ? Je découvre. Tu découvres quoi ? Tu découvres le jeu ? Non, c'est pas possible. Tu l'as fait, non ? Il y a la violence du skimo. Oui. Ah bah le chopper, là, il l'a mis au bon moment. Hein. Mais la tyrolienne, elle est où? Qui est génie qui a mis ce son? Il me l'a proposé, mais... Je passe à FK. Ok, bonne app, Sia. Je pense que c'est ça. Hein. Tu vas te faire à manger. Ah, toutes tes emotes. Ah oui, bah oui. Ah, mais c'est même pas Scan qui l'a mis. Ah, c'est ça que tu découvres. Je ne peux qu'applaudir. Mais c'est, vous voyez, vous les utilisez bien. Vous utilisez bien les emotes. Je vais surtout faire une sieste. Oui, tu fais une sieste tout en me laissant mute et en gardant le stream, hein. On sait pourquoi. Bon, bah, bonne sieste, alors. La tyrolienne, elle est où? Elle est là. Et salut, les gars. Au revoir, les gars. Quoi? Mais là, c'est... triplement abusé là. Il est quelle heure chez toi? Moi, il est midi 18. Je mangerai après le live. Je vais le spammer celui-là, le rire le plus traumatisant de la galaxie. Là, t'as vu ça? Je vais en profiter. Ah d'accord. Ok, bon, bah, très bien. J'y arrive. J'y arrive. Faut juste être patient. Quoi ? Mais... Non mais là c'est des... Non mais c'est du triple connerie là. Je lui fais une super attaque, ça lui fait rien. Oh ? Ah ? Oh ! Attendez, ça c'est super intéressant ça. Oh, attendez, mais c'est super intéressant. Attendez, c'est... Vous êtes en train de me dire...
que dans Jedi Survivor, on a aussi un peu un aspect Monster Hunter. Pas parce que j'ai très peu joué à Monster Hunter. Ah yes, GG. Parce que de ce que je comprends, dans Monster Hunter, t'as des espèces d'étapes, tu vois, tu peux leur enlever des membres, tu peux leur enlever des, je sais pas, des boucliers, enfin, qu'ils peuvent avoir sur eux, enfin, des trucs comme ça, des espèces de carapaces, des machins, et t'as des étapes. Et ça, c'est super, j'adore. Je savais pas qu'on pouvait faire ça, qu'on pouvait le démembrer, là. Ouais, tu peux couper la queue aussi. Bah, voilà. Mais attends, je suis le seul à l'avoir fait. C'est quoi cette phrase finish him? Bah attends, ça a été bien placé, ça. Bah franchement, là, j'ai bien aimé, hein. Mais si vous êtes surpris, ça m'embête un peu, parce que ça veut dire que c'est pas une mécanique qui a beaucoup été utilisée dans le jeu. Ce que je trouve plutôt dommage, d'ailleurs. Parce qu'alors ça, plutôt qu'un ennemi soit toujours pareil, eh ben, il pourrait perdre en efficacité au fil du combat. Et tu prends petit à petit le dessus sur lui, ils auraient dû l'exploiter à donf, ce truc. Parce qu'alors ça, pour le coup, je trouve que c'est une putain de bonne idée. Vraiment, c'est quoi qui a tout explosé là? C'est un vaisseau? Et là, ce qui fait que si je veux passer, je suis obligé de presque me cramer le cul, quoi. Tu peux voir les flammes, là? Ah bah. Bon, après, on n'aurait pas autant flambé dans le désert comme ça, mais c'est bien fait. Raccourci ou... Ouais, raccourci. Moi, c'est là que je dois aller. Crossover. Traveler. Les messages disséminés sur le chemin du pèlerin, bien que souvent énigmatiques, étaient destinés à encourager les voyageurs les plus dévoués. Je vais boire un peu. On me demande pas de boire, alors je bois. Parce que oui, vous avez une commande pour me faire boire aussi. Je peux y aller là ? Ah, ok, on peut faire ça. Ah, merci, amiral. J'ai commencé à avoir vraiment très soif, là. Mais... Il fait n'importe quoi, ce truc. Reste en place. Putain. Je galère. Là. Allez, à ta santé, amiral. Mais si, Scaninounet, j'en ai besoin de boire. Je peux pas finir le jeu s'il meurt de soif avant. Il peut pas finir le jeu si... Bah oui, mais bon. Faut quand même que je bois. Non. Ah putain, on est là, d'accord. Ok. Ah oui, dis donc, tout ça en fait pour ça, quoi. Enfin, tout ça pour ça. Ce détour de malade. Need to center myself. Ok. Crypte d'Urma. Et la crypte de Mouma aussi. Alors là, par contre, si vous arrivez à comprendre. Bon, bah, je suppose que c'est là-dedans. Je regarde même pas la map, hein. On essaye de le faire au feeling. Il y a quelque chose ici? Non, même pas. Ah. Salut les gars, salut. Ah bah, on n'a pas eu le temps de vous dire bonjour. Donc j'utilise ma compétence de... Une invitation pour les voyageurs à trouver le calme le long du chemin, bien que le voyage pousse les pèlerins vers l'avant, ne trouve son chemin qu'en faisant le point sur son parcours. Tiens d'ailleurs, je suis en train de me demander... Vu qu'on est sur Jeddah... Attendez, est-ce que la séquence ce serait pas... Attendez, vu qu'on est sur Jeddah, vu qu'on est après l'Ordre 66, on va voir Saw Gerrera. On peut même voir Andor. Attendez, là.
l'étoile de la mort. Possible aussi. Mais si ça avait été le cas, je ne sais pas. Je crois pas que tu me l'aurais dit. Opens from the other side. C'est dommage d'ailleurs. Donc on va voir. Alors. Empire brought a new toy. Non mais... Ouais, je peux pas encore. Ok, il est à un autre niveau. Oulala. Ouhou. Attends, attends, attends. What the f... Je pense que là, il me faut les deux sabres pour lui. Ou pas. On va essayer un sabre. Non. Je suis mort. Si, je suis. Elle est encore en construction à cette époque. Ah oui. Moi... Merci. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est que... Attends, on va laisser. Hein. Voilà. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est que ça m'a vite fait penser à du Sonic... Oh, c'est qui? Anakin is back! Et les amis, Anakin is back! Anakin is between us. Is among us. Among us. Oh bah écoute, salut Anakin. Alors, tu as Discord qui t'a... Tu as, je t'appelle même Discord maintenant. Tu as Scan qui t'a directement balancé le Discord. C'est un Discord où on parle de... Bon, il y a beaucoup de Star Wars dessus, ouais, donc tu pourrais t'y retrouver. Tu pourrais être back dans la Force. Mais bien sûr, tu n'es pas obligé de rejoindre, tu fais ce que tu veux. Mais avant, vaut mieux te connaître, quoi. Donc, ben, écoute, salut à toi. Et merci, merci du follow. L'élu, exactement. Bon. Alors. Là, il va falloir accepter de prendre son temps. Parce que... Ouf. Parce qu'alors là, ça va être compliqué, là. Bon, je pense que le... We'll fight together. Il y a des trucs que je comprends pas. Des... Le trooper, là-bas. Je l'ai... Je l'ai fait avec la... Je lui ai... Vous comprenez ? Je lui ai retourné le cerveau, quoi. Et il m'a visé, moi ! Pourquoi ? Je comprends pas. Hey, comment allez-vous, jeune Padawan ? Eh ben, écoute, je vais très bien, merci beaucoup. Alors, tu es revenu, comme ça, de l'au-delà, Anakin, pour nous prodiguer tes conseils. Peut-être que tu vas m'aider à détruire... ce monstre-là qui me fait un peu mal, peut-être me guider jusqu'à la fin. Écoute, peut-être es-tu l'élu. L'élu de mon gameplay. Mais putain. Non, non, non. Oh, c'est... Je connais pas encore bien ça. En fait, il faut juste que j'étudie son pattern. What? Mais en fait, c'est... Attendez, je crois que j'ai compris. C'est grâce à la posture que j'ai. Mais oui. Que je peux le démembrer. Ah, peut-être que vous jouez jamais avec cette posture, du coup, vous saviez pas. Merde. Putain. Basic maneuvers. Destroy.
Right here, bud. Attack obstructed. Bon, son pattern. Oh là là. Je loupe, mais je loupe tout ce que. Tout ce qu'il faut. Je suis tellement tendu là, faut que je me détende. Attack now. Damage resisted. Integrity reduced. Bon, t'arrêtes de tirer là? Et passe ça. Ça, je me fais avoir à chaque fois, ça. Bon, on va prendre deux sabres. Mais pas maintenant. Bon, c'est pas grave. D'accord, alors maintenant que je prends les deux sabres, tu me fonces dessus. T'étais vraiment pas logique. Voilà. Ah, attends, mais ça marche même avec les deux sabres? Parce que là, ils viennent... Oh, c'est pas vrai! Oh là là! Oh, je me déprime. Je sais pas comment vous faites pour me regarder, mais alors... Moi, je me déprime. On va repasser à un sabre. On continue, hein. D'accord. C'était un combat spécial. Je commençais à maîtriser un moment, mais après il s'est excité, quoi. Il n'y a pas de gars dans l'armure, c'est un Dark Trooper. Comme dans... Non, oui, non, mais je parlais de l'autre, le Trooper, en fait. Mais je pense que j'ai compris ce qui s'est passé. Je lui avais fait le contrôle. Ah, attendez. Mais il est pas... Je pensais que c'était de la couleur de mon sabre. Mais non. J'ai jamais vu le bleu cyan comme ça sur ma manette. Mais non, mais c'est juste qu'en fait, j'avais appliqué le contrôle, mais j'avais pas... Enfin, j'avais juste appuyé sur R1, mais j'avais pas appuyé sur rond pour lui appliquer le... Sauf que c'est pas un Dark Trooper, là. C'est ce qui s'en rapproche le plus. Bon, sinon, tu joues ou tu comptes finir le bousin dans 6 mois? Oui, bah, je lis le chat avant, doucement. Tout est dans la force. Moi, je joue maintenant double. Ah, là, il y a Scan qui va pas, il va pas être d'accord. Ah non, mais double sabre. Ah oui, c'est pas un sabre dans chaque main, tu veux dire. Que la force... tout est dans la force, que la force soit avec toi. Merci, Anakin. Je vais suivre ton conseil. Et regarde, grâce à toi... J'ai pu en démunir un, déjà. Dis-toi, tu vas en recroiser. Bon, bah au moins, j'ai bien fait d'étudier son pattern. Oh, coucou Aimé! Mort de rire incroyable, cette commande. Bah, là, ils se font plaisir. Hein. Je peux te dire que depuis qu'ils ont découvert ça, là, ça y est. Je leur ai mis à disposition les commandes. Maintenant, ça s'amuse. Bon, comment tu vas, Aimé? Ah bah, ça te fait rire. Si, un dans chaque main. Ah, bah... C'est honteux. D'ailleurs, il y a un truc que vous pouvez choisir, mais s'il vous plaît, le faites pas, je galère déjà bien assez. Vous pouvez utiliser vos points de chaîne pour que j'utilise ce que Scan appelle la posture du noob. Donc c'est ta posture, ce que tu utilises, Amiral, c'est un dans chaque main. Sauf que je peux pas l'utiliser. En fait, je peux pas l'utiliser quand je veux. Faut que je sois à un endroit où je peux changer de posture, en fait. Donc au pire, si vous l'utilisez... Bah, au moment où je pourrais changer, c'est là où j'enclencherai les 20 minutes. Parce que c'est pendant 20 minutes, quoi. Heureuse car c'est le week-end et toi. Bah, ça va. Bon, sinon, tu joues ou tu continues dans le bousin dans 6 mois? Oui, je vais jouer. Je suis heureux parce que je suis encore en vacances, mais à partir de lundi, ce sera mort, quoi. D'ailleurs, j'en profite pour te dire, demain et après-demain, on risque de jouer énormément à Genshin à partir de l'après-midi. Bon, sinon, tu joues ou tu continues dans le bousin dans 6 mois? Bon, je vais devoir jouer, là. J'adore cette commande. Ok, c'est bon, je joue. Et est-ce que vous avez reconnu la voix? Parce que, pour ceux qui connaissent, hein, ceux qui sont sur le Discord, ceux qui connaissent les vidéos de certaines personnes, est-ce que vous avez reconnu la voix? C'est quelqu'un qui me l'a fait exprès pour mes streams quand même, donc je lui en remercie beaucoup. Il me reste que 600 points. Ah, ça va vite, hein. Crixounet, oui, c'est Crix.
Mais c'est plus précisément, c'est qui? C'est pas Krix exactement. Tu vas le sortir même quand il va jouer, quand je vais jouer. Oui, bon là par contre. Sérieux, c'est qui la voix? Faut le féliciter. Bah c'est Krix, des fois il passe sur le Discord, dans le sur le chat, t'as déjà dû le voir. Krix Typex, et c'est un archéologue qui fait des vidéos sur YouTube et qui a l'habitude de faire ce qu'il appelle une petite voix comme ça, et c'est la petite voix qui l'accompagne dans ses vidéos. Je sais pas où faut aller là, hein. Je comprends pas. Parce que là, je suis beaucoup trop bas. Il y a aucun endroit où je peux utiliser la force. Non, c'est bon, j'ai compris. Oh là là. Et en fait, eh ben, il m'a fait ces voix-là. Voilà, pour les... Et il y a je ma cousine. Ça tellement moche, je vomis mes yeux, là. À ce point. Et il y a ma cousine qui a fait une voix aussi. C'est un fameux... Ah là là. Sauf qu'il est beaucoup plus mieux bien que moi, et beaucoup plus long et beaucoup plus... Mais ça par contre, il faut utiliser 100 bits. Parce qu'elle se mérite cette commande-là. Hein. C'est facile de se knocked off course around here. Let's move carefully. Ok, il y a encore du vent. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est n'importe quoi. Bah écoute, je m'accroche, je pense que c'est bon, non? Et là je fais comment là? Ah! Finish him! Pas en train de me battre là! Timothy, enfin! Tu veux que je me finisse moi-même là? Enfin, en tout bien tout honneur, non mais je veux dire, tu veux que je me tue quoi, Harakiri, c'est ça que je veux dire. Voilà. Par contre, oui, le finish him, c'est Timothy qui me l'a fait, ça aussi! Là, c'est homemade aussi. Et franchement, c'est quand même beautiful. Et on en parle quand même de la communauté Genshin qui est là, même sur mes lives de pas Genshin. Voilà. Regardez, avant vous, comme m'avait dit Mando tout à l'heure, ouais, on est 10. Il y avait 4-5 personnes sur les lives Jedi Survivor. Depuis que vous êtes là, cœur sur vous, il y a 10 personnes qui me suivent, même si c'est pas du Genshin. Respect. Je peux avoir mes Kiss Air. Ah bah alors là... Bien sûr. Il faudrait que je mette un truc où tu peux utiliser tes points de chaîne. C'est genre, fais un Kiss Air. Ça te dit que je fais ça? Je le ferai pour demain, il sera fait. Si tu veux. Comme ça, tu pourras utiliser genre 200 points de chaîne, je te fais un Kiss Air à chaque fois. Ton combat contre le robot, on aurait dit le combat entre Rey et Kylo dans la forêt enneigée. Ah, c'est vrai? Bah, je prends ça pour un compliment. Merci Anakin. Ils sont là pour écouter ta belle voix, Kishni. Bah, je sais pas, moi. Oui, ils sont peut-être là pour les points. Hein. Ils sont courageux parce que moi, Genshin, je reste pas tout le live. Bah... Je comprends, mais écoute, c'est des fans de Genshin comme moi, donc on attend juste que tu changes de jeu. Ah, ben là, c'est un peu moins cool. Non, mais demain et après-demain, on va se faire du Genshin. Vous en faites pas, il y en aura plein. Hors de question, on avait dit que les Kiss Air, c'est que pour moi. Je te l'interdis. Ben, dans ce cas, il faudrait que pour toi, qu'il y aurait que toi qui puisse faire les Kiss Air. Par contre, je ne pense pas pouvoir faire la commande que pour toi, quoi. Donc, tu ne seras que la seule à pouvoir demander les Kiss Air dans ce cas-là. Je suppose que là, je dois... Non. à boire. Oh, je dois boire. Merci, parce que c'est vrai que je parle beaucoup. Allez, à votre santé. Il y en a pour tout le monde sur cette chaîne. Exactement, Mando. Eh bien, c'est qui m'a demandé Mando? Santé, Mando. Avec Scan, s'il est sage, why not? Il t'aime beaucoup, c'est vrai. Je sais pas qui je dis. Tu bois quoi? De l'eau. Juste de l'eau.
Je ne carbure qu'à l'eau. Faut que j'aille où là? Attendez, mais. Ah oui, d'accord. Et là. Mais je peux pas là. Mais pourquoi je suis arrivé là? J'ai pas compris là. Il boit les larmes des haters. Aie foi en ma force et saute dans le vide, c'est vrai? Ah ouais? Faut que j'aie foi en ta force? Il boit personne, oui. Il boit qui? Ok, bon. Je te fais confiance, Anakin. Let's go. Oh, je crois que j'ai compris. Tu as raison, Anakin. Oh, merci. Je savais que tu étais la voix. La voix de la sagesse, la voix de la raison. La voix de la force. Merci, Anakin. Oh, on aurait dû me pousser de force, là. C'est Anakin qui m'a fait ça. Wow. Tu calmes, les mecs, là. Wow. Aïe. C'est bon. Alors. Ressentir l'écho. Marin's watching out for us, buddy. Mais elle est plus là, Marin. La présence des impériaux sur Jedha semble augmenter pour des raisons encore inconnues. L'Empire, cependant, s'attendait pas à voir une sœur de la nuit de Datomir. D'ailleurs, on s'approche de la séquence, là, je suppose, hein. Attendez. Ça, c'est sûr. Ça, c'est l'endroit où se trouve... C'est l'endroit où se trouve So, ça. Hein? Dans Rogue One. Non? Mais me dites rien et spoilez pas, évidemment. Scan qui me dit oui. La séquence conclut toute cette phase. Oh. Bon, c'est la résidence de Kylo Ren. Oui, bien sûr. Oh, attendez. Mais si la séquence c'est que saut, je serais déçu, hein. Non, je plaisante. Ok, donc là c'est un raccourci. Ouais, raccourci. Il va se passer quelque chose quand même. Non, oula, attendez. Mais vas-y! Ah mais merde, attends, mais j'ai... Attends. J'ai plus de... J'avais pas vu que j'avais plus de... Oh, je suis mort. Oui, bah là, tu peux te marrer, hein, tu peux te marrer. J'avais pas vu que j'avais plus de Steam. J'avais dit ça en pensant que tu allais dead. Mais ravi de savoir que la force est toujours d'actualité après qu'Obi-Wan m'ait laissé périr sur Mustafar. Ah donc t'es quand même, t'es un petit peu joueur quand même, hein, tu... T'as pas eu la confiance totale, quoi. La résidence de Makish. Attendez, là. J'ai débloqué un raccourci. C'est là, non? Non, c'est pas là. Non. C'est où le raccourci? Il est où le raccourci? C'est quoi la posture du noob? Alors... En fait, la posture du noob, c'est Scan qui dit ça. En fait, c'est quand j'ai un sabre dans chaque main. Et à ce qui paraît, ben, elle est pas géniale. Mais ça, c'est selon Scan. J'économise les points, là. Non. Je suis amoureux du rire de Chopper. Ah, bah ça. Mais le raccourci. Attention à ce que tu vas dire sur ma posture. Ah, on verra, faut que je la teste d'abord. Je l'ai même pas testé, donc... Je ne peux pas la tester si je ne l'ai pas... Je veux dire, je ne peux pas la détester si je ne l'ai pas testé. Je pense qu'il faut que j'aille là. Je pense qu'il faut que j'aille là, mais... Ah, oui, mais c'est là-haut. Ok, c'est bon, j'ai compris. C'est là. Ok, c'est bon. Comment on peut les avoir, eux?
Pourquoi je peux pas? Parce qu'il a une épaulette. En fait, je peux aucun quoi. J'ai encore pas assez de. Allez, attaque. Voilà. De toi qui. Ah putain. Quoi? What the. Voilà. Quand on a la force avec nous, on a peur de rien. Ça, c'est bien vrai. Ça fait quoi, ça ? Ah, ça va nous donner du boost ? C'est ça qu'il a dit ? Mais pour faire quoi ? Bah, certainement pas pour là. Attends, pas bon. Ah, pour là ? Ah, pour là ? Hein ? Bizarre le vent ici. J'aime bien les faire se jeter dans le vide. J'ai failli finir moi aussi dans le vide. Ciao. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose ici là? Pourquoi il y aurait ça s'il n'y a rien? Ah non, attends. Ok. Et ça, ça nous servira certainement pour après. Ah oui. C'est pas vrai. Oh là là, mais quelle créature du démon, mais c'est pas possible. Bon, mais non, non, non. Ouh là là. Il va exploser, il va exploser. Je viens de comprendre quand est-ce qu'ils explosent. Là, il va exploser. Tu as mis la couleur de ton sabre par rapport à Luke Skywalker. Non, en fait, on s'est dit qu'à chaque fois que j'arrive à un établi, je change de couleur. Qui a fait un sondage où tout le monde mettait une couleur. Oui, j'ai fait un sondage à un moment pour demander quelle couleur je choisis dès qu'on était arrivé à un établi. Et puis en fait, tout le monde avait mis un partout à chaque couleur. Donc j'étais vachement avancé, quoi. Des centaines de pèlerins morts ont été embaumés et immortalisés par les gardiens du chemin du pèlerin. Ces derniers se sont efforcés de respecter tous ceux qui empruntent cette voie dans la vie comme dans la mort. Easy to say when you're already resting in peace. Et là, ok. J'en viens pas de là, d'accord. Hein. Oh non, il y a tous ces. Oh non, mais non, 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 moi je suis pas d'accord. Là. Non, non, non. Ouais, 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 ouais. Non, c'est bon au bout d'un moment là. Ah non, dégagez, dégagez. Wouf. Vous me donnez la gerbe. Ah, bon, je vais être obligé. Parce que si je me concentrais sur l'énigme. Je suis sûr qu'il y a une énigme. Il n'y a pas marre là, une espèce de moustique là. 3 points de compétence, c'est bien. Alors. Il y a une énigme ou c'est comment là? Faut tous les tirer? Ouais. Bon.
J'admire la démocratie. Ah, d'accord, je trouve que c'est bien comme concept. Ouais, bah à la base en fait, l'idée est bonne quoi, mais quand tout le monde choisit la même. Enfin, un truc différent. Attendez. Est-ce que vous pouvez me dire s'il y a au moins une énigme ou si je perds mon temps là? Une énigme? Ah, tu veux scanner? Let's check it out. Les gardiens utilisaient des droïdes GNK pour transporter le matériel et héberger leurs données. Le droïde était souvent la seule compagnie douée de conscience de son maître. Les liens qui les unissaient étaient puissants. C'est pour ça qu'on a un aussi bon lien, Scan et moi. Parce que c'est le seul lien qui nous unit, quoi. Il y a une énigme. D'accord, merci. Que je peux résoudre maintenant. J'ai résolu cette énigme d'une manière très étrange. Au pif, tu as fait. Ok, donc il y a une énigme. Laisse-moi observer avec le sabre. Trop long à expliquer. Merci Google. Ah oui. Ah bah bien sûr, je suis le maître de Scan. C'est mon droïde. Tu vois, celui que j'ai dans mon dos là. C'est Scan. Tu savais pas, mais Scan, c'est celui qui est dans mon dos, là. Tu vois? Eh oui. Fait l'énigme, le jour de la sortie du jeu, il n'y avait pas de solution. J'essaie de voir au niveau des symboles, au niveau des... des dessins qu'il y aurait autour là, mais c'est un peu compliqué là. C'est bizarre. Et t'as moi qui l'a fait des mois après. Ah mais est-ce que je suis obligé de la faire pour poursuivre, ou alors en fait je peux continuer là? Moi, le maître de Kishni, mais il a honte de l'admettre. Je pense que c'est toi qui es dans le déni. Hein. Attendez, attendez. Il y a le sablier qui vient de se... Non ? J'ai l'impression qu'il a bougé le... Ah non, j'ai cru. Ah non, mais parle français, c'est qu'en fait, ça, c'est pour... c'est pour que je parle anglais. Enfin, non, c'est si tu as décidé que je parle anglais... En gros, t'as un truc où tu peux me faire parler anglais. Et donc, en fait, le parle français, c'est pour pouvoir me sauver. Tu comprends? Mais après, des fois, je dis des trucs qui sont pas français, tu peux me dire de parler français. Ouais. Bon, est-ce que je suis obligé de la faire? Parce que là, j'ai pas envie de perdre mon temps, en fait. Non. Mais c'est pas grave, tu apprends, Amiral. Après, il y a peut-être des indices dans la pièce, mais si je suis pas obligé de la faire, tu peux la résoudre maintenant. Alors, je peux la résoudre maintenant, oui, mais est-ce que j'ai envie? Hein? Parce que moi, si je trouve pas, ça va me servir à rien. Surtout si c'est pas obligé. Peut-être qu'après, ça me donne quelque chose de bien, quoi. Est-ce que vous pourriez, genre, peut-être me donner un indice? Ou alors, c'est tellement évident. Parce que, est-ce que vous pensez que je suis capable de deviner? Si vous pensez que je suis pas capable de deviner, je serais pas contre un petit indice, quoi. Continue et regarde bien autour de toi. D'accord. Le vrai Jedi recule devant rien. C'est vrai, tu as raison.
L'indice est très compliqué à piger. Faut que je regarde autour de moi. Est-ce qu'il y aurait des indices ici, là où on a été? Est-ce que je suis obligé de me balader dans la pièce ou alors est-ce que ça peut tout se trouver ici? Ce qu'il y a, c'est que quand tu sais pas ce que tu cherches, bah c'est encore pire. Parce qu'en fait, tout peut être un indice. Donc c'est compliqué là. Continue ton chemin, j'en dirai pas plus. Ah. Bah dans ce cas, je vais suivre ton conseil. Je pense que je peux peut-être la résoudre maintenant. Controls must be elsewhere. Je peux peut-être la résoudre maintenant, mais peut-être que je vais faire quelque chose plus tard qui va m'aider à comprendre. Je sais pas. Parce que là, j'ai quand même tiré un truc qui pourrait m'aider peut-être à aller là-bas. Mais là... Ah, attends. Quoi ça, là? Il y a ça. Ah, attends. Oh, d'accord. Non, qu'est-ce qui... Vous avez rien vu. Avance, je sais pas si on retournera à l'énigme un moment. Sinon, bah écoutez, tant pis. Hein. J'aurais bien mis le rire à Chopper, mais j'épargne mes capcoins. Oui, you can make it. Salut. Je m'attendais à un rire, ouais, mais. Faut pas déconner. Je comprends. Parlez à Peely. This is Peely One. I'm Peely. Didn't expect to see any pilgrims today. What are you doing out here? Tending to what I can. But very little grows here, as you can see. You should check out the Kobo system. Everything grows there. Sounds lovely. Perhaps I will. Just tell the bartender of Pylon Saloon I sent you. He'll get you set up. Oui, c'est une botaniste et généticienne végétale dont le talent l'a propulsée à l'avant-garde. Bon, c'est une quête annexe, quoi. Son domaine, son plus jeune âge, elle a fui vers la frontière afin de poursuivre son travail en toute tranquillité. Voilà, elle a été recrutée dans le jardin. Ah non, ah oui, ok. Ah, dans le jardin sur le toit. Ah, maintenant que vous avez recruté Peely, vous pouvez débloquer des parcelles de jardin en faisant pousser tous les types de plantes au maximum. Ok. Une fois toutes les parcelles débloquées, vous obtiendrez des capacités spéciales au jardinage. Ok. Maître Yoda ne sera pas content de ton apprentissage. Eh ben, il est, comment dire... Il est pas facile à satisfaire, quoi, entre guillemets. Hein? This leads up to the bridge. Le jardinage est le meilleur truc du jeu. Mais non, mais il y a que toi pour aimer ce genre de trucs, Scan. Je suis désolé. C'est comme la pêche dans Genshin. Désolé. Moi, je l'ai fait, mais parce que je devais débloquer une arme. Mais sinon... Et maintenant... J'adore faire du jardinage. Bah oui. Dans la vraie vie aussi. Donc ça, c'est là d'où je viens. Là, il y a eu la botaniste. Là, j'arrive ici. Et là, il y a un câble. Bah, dans ce cas-là, c'est là. J'ai juste un raccourci. The botanist in the desert. She must have been really lost. Or desperate to find her way. Wouhou! Ça peut nous servir à aller quelque part, ça? Oh oh!
Ah mais c'est ceux de tout à l'heure ça, non? Ah bah non, 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 pas du tout. Mais est-ce qu'on va trouver quelque chose? Ah, la commande de tout à l'heure. Ah bah merde. Moi je peux rien faire là. Ah bah là j'ai trop cru là. Je me suis dit ouais, waouh. Oh, ok. Ah ok, je pouvais pas faire la commande tout à l'heure parce que le truc il était pas en bas. C'est ça? Ouais, d'accord. Ah oui, ça sert à l'appeler en fait. Ah d'accord, je dois faire de l'ASMR, d'accord. Attends, je vais commencer à 37 et comme ça je devrais finir à 40. Voilà, donc maintenant je dois faire de l'ASMR. Je sais que Aimé aime bien quand je fais de l'ASMR. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a utilisé ses points de chaîne exprès pour ça. Something about that rock formation was familiar. Elle dit quelque chose. Ah ouais. Elle te dit quoi? En tout cas, je sais pas. Je vais te voir. Je vais devoir m'énerver en ASMR. Ça risque d'être sympa. Quand genre je vais regarder. The bridge, oh, the pilgrim sanctuary. Non, c'est pas bien. J'en ai pas. Et ça m'amène là, j'ai pas compris. Je sais pas si vous entendez. Je sais que c'est toi qui ronronne, mais je voulais juste flexer parce que je sais ronronner. Let's take this to sister task. Quel est ton film préféré Star Wars? Ben, en fait, Anakin, le film Star Wars qui m'a le plus mis dans tous mes états, c'est le film... Ben, c'est le 3, quoi. C'est la revanche des Sith. Il m'a mis dans tous mes états. Notamment, ben, l'exécution de l'ordre 66. Windu qui se fait couper le bras. D'un coup comme ça, Anakin qui pète son câble. Et puis tout ce qui s'ensuit, quoi. Ça m'a déchiré le cœur. Et j'aime pas Star Wars, désolé si je choque. Alors tu ne choques pas. Parce que même sur mon Discord, qui comporte en majorité des gens qui sont fans de Star Wars, eh ben il y en a beaucoup qui n'ont jamais vu les Star Wars, voire qui n'aiment pas. On t'entend pas, crie plus fort. C'est bon, j'ai augmenté un petit peu là. Est-ce que vous m'entendez mieux? Parce que là, j'ai augmenté un peu la sensibilité de mon micro. Il faudra que je pense à le baisser. T'inquiète pas, j'aime rien, moi. Bah oui. La revanche des sites internet, oui, c'est un peu ça, ouais. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant que j'ai augmenté? Ou alors c'est pareil? On t'entend très bien, il dit des bêtises. Ah ok. Bon bah c'est juste qu'il est, il est un peu teubé alors. Je suis désolé, j'ai un droïde un peu teubé. Oui, on t'entend mieux. On est d'accord, le 3 c'est le meilleur. Bah alors, j'aime beaucoup. Beaucoup de Star Wars. D'ailleurs, j'aime beaucoup Star Wars 8 aussi. Pour moi, je le place en deuxième, quoi. Et après, il y en a que bon. La trilogie originale, j'aime beaucoup. Mais je trouve que ben, ça commence un peu à dater sur la technique. Donc j'aime, mais c'est pas mes préférés, quoi. Pour la peine, tu fais 3 minutes de plus. Je suis pas teubé, ok? Non, mais t'es juste un droïde teubé. Imagine faire un classement des films Star Wars. Bah, en vrai, je pourrais le faire. Il faudrait que je fasse ça. Tu sais, il existe des sites internet pour faire des espèces de classements. Donc, comme ça, il faudra que je le refasse. Voilà. Allez. Bon, bah, on continue. Alors, donc, on en était où, là? Parce que j'ai été perturbé un peu. Parce qu'à la base, c'était là-bas. Là, ça m'a fait monter ici. Mais ici, waouh! Ah, mais c'est pour me faire. Oh, ok! C'était pour ça! Waouh! Trop bien! Mais on était obligé en fait de passer par là? J'ai bien l'impression que oui. Hein. Ah, oui, des pots à casser! Moins jouissif que dans Fallen Order par contre. Il y avait des plus gros, il y avait des plus grosses jarres dans le Fallen Order. Alors bon, bah on va arriver à cette fameuse séquence alors, non?
Oh, Meryn. I could, but there is an Imperial unit up ahead. Thought I should warn you. Sounds good. Lead the way. Ok. On va se faire bully. Maintenant, j'ai Meryn. Mais je peux pas le faire contre les... Ni contre ceux qui volent, quoi. Aïe. Oh là là. Oh là. Allez, c'est bon, vous pouvez rigoler, là. Vous pouvez rigoler. C'est bon. Je m'y attends, là, je le sais. C'est... Bon, quoi. J'ai juste pas vu, quoi. J'ai juste pas compris ce qui s'est passé, quoi, là. Attends, faut que je refasse, là. Non, mais il y avait un raccourci, normalement, non? Ah bah non, c'est là. Ok, d'accord. Allez, on va se concentrer un peu mieux maintenant, hein. Attends, déjà, on va faire un truc. Oh là 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 là. Je comprends que vous m'avez dit que j'allais en re-rencontrer. Oh! Oui, mais même avec le double sabre, en fait, je peux. Ça va, j'ai pas trop perdu de... Gros newbie, quoi. Ouais, ben, le newbie, il lui a fallu que d'une fois. Je suis tombé pour mieux me relever. Ah, on y arrive, les gens. Oula. Oula là. Qu'est-ce que c'est que ça? Les ruines chantent? Attendez. Ça fait du bien. D'habitude, j'y arrive pas. Donc attends, faut que j'aille là-bas? Parce que, attendez, mais genre, le truc, il est juste là. Achoui! Oui. Pour te donner une idée, c'est quand... Attends. Donc de base, tu es un grand fan de Star Wars, c'est ça? De base, oui, je suis plus fan de Star Wars. La plupart des gens qui sont sur, sur mon Discord et qui m'ont connu sur YouTube m'ont suivi pour du Star Wars. C'est assez récent en fait que j'ai développé un fanatisme de Genshin. Donc on va dire que c'est pour ça que sur mon serveur, il y a un peu les deux, tu vois. Il y a le côté Star Wars que j'aime beaucoup, dont je suis fan. Et puis il y a nouvellement ma petite armée Genshin, tu vois. J'ai un peu les deux dissociés, mais... Mais comme je disais, c'est pour ça que je disais que ça me fait plaisir de vous voir là pour un live Star Wars. Ah, oh, attends, mais combien? 400 bits? Ouah, petit muffin, tu te devrais pas, là. Bien sûr, ça fait plaisir. Mais j'espère que tu le fais en connaissance de cause. Hein. C'est gentil, petit muffin, vraiment. Mais tu vois, tu es l'exemple parfait. Tu vois, de ce que j'allais dire. Vous, vous êtes venu pour mes live Genshin. Et genre, vous êtes là à me suivre, même si Star Wars, c'est peut-être pas votre truc. Alors, je suis bien conscient que vous serez peut-être pas là à chaque fois que je ferai des live Star Wars. Mais par contre, ceux qui aiment Star Wars, ils viennent pas sur les live Genshin. Ou alors, c'est rare. Mais, quoique, ce que je dis est un peu faux. Willow, il vient. Amiral, il vient. Scan, il vient. Mando, il passe de temps en temps. Ced, il est là. Donc non, attendez, je suis mauvaise langue. Je suis très mauvaise langue. Parce que non, il y en a quand même qui viennent. Je retire ce que j'ai dit. Je suis désolé. Il faut savoir se contredire des fois. Mais bref, merci. Merci, petit muffin. Ça fait chaud au cœur.
Donc là, normalement, je peux y aller. Ah ouais. Oh, petit muffin qui en rajoute. J'aime bien Baby Yoda. Hein. Ah, arrête, après, je vais me sentir mal pour ton compte en banque de bits, là. Je viendrai plus sur les live Genshin pour la peine. Eh non, c'est Baby Yoda. Yoda, en fait, c'est vieux Grogu, non? il est trop généreux, petit muffin. Bon. Et ben moi j'ai faim, donc je vais arrêter le live. Et là... Non ! Non, je plaisante. Quoi ? Oh, quoi ? Mais attendez, mais... Hype train coming, c'est quoi ça ? You'll have a limited time to earn exclusive seasonal emote. Quoi ça ? Attendez, il se passe plein de trucs, j'y comprends rien là. Pourquoi j'ai ça? Sub GIF, Hype Chat and use bits to get the next level. Completing level 1 requires combined support event. Mais pourquoi ça me dit ça? 62%. Je connais rien à Twitch, mais... Attends, mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes super généreux, là. Aimé, qui, c'est toi qui a payé un sub à Petit Muffin. Ouais, mais... Mais je sais pas quoi dire là, vous me mettez mal à l'aise là. Et là je vois le 62%, je sais pas du tout à quoi ça correspond. Est-ce que... Ah attendez, le hype train, ça veut dire que là vous avez 4 minutes. Si vous offrez encore des subs ou des bits ou quoi que ce soit, vous pouvez monter de level. Et comme ça vous gagnez encore plus de points de chaîne et tout ça. Ah c'est le train de la hype. Et en fait si, là c'est en gros, ça a été enclenché. Si maintenant vous donnez des trucs... Dans les 3 minutes qui restent, vous allez passer de niveau. En gros, si les gens payent des trucs, etc., le train monte de level. Et ça sert à quoi que le train monte de level? En vrai, il te reste peut-être une heure avant d'avoir The Sen. Ça va dépendre de ton efficacité. Ah c'est bon, j'ai encore une heure devant moi. Presque tout pile. Mais je connais pas du tout. Mais franchement, Aimé... merci. Eh, attends. Aimé, tu l'as mérité. Voilà, là je t'en envoie plein là. Là t'en as plein là. Là ça doit voler tel des étoiles autour de toi. Une heure, il faut compter deux pour lui. Ah ! Eh ben ça sera peut-être pas pour aujourd'hui alors la séquence. Ah parce que là si on fait un méga détour aussi. Ça te donne des émoticônes je crois. Sinon que dalle. C'est juste pour inciter les viewers à encourager les streamers en dépensant des sous-sous. D'accord, mais ok. Mais bon, le faites pas si vous avez pas de sous-sous ou voilà. Moi, je veux pas vous inciter à le faire quoi. Vous êtes déjà super gentil, petit muffin et aimé, utiliser des bits, donner un sub quand même, c'est pas rien quoi. Je sais même pas comment vous remercier quoi. Bah si en fait. Pour vous remercier, moi ça me fera plaisir de vous payer des faveurs quand vous aurez assez de points. Hein. Parce que dans les live Genshin, vous pouvez acheter des faveurs. Quoi, mais... Mais qu'est-ce qui se passe? 94%? Ok, vous avez 2 minutes pour... Mais je sais même pas quoi ça sert. Si t'arrêtes avant la séquence, c'est sadique. Attends. Qu'est-ce qui s'est passé? Timofin is paying forward the gift they got from Aimé to the community? Tu as payé le gift que t'as eu de Aimé pour donner à la communauté. Tu gift un tiers sub à Kishnifo Community. It's their gift sub in the channel. J'ai pas compris, t'as fait quoi? Bon, t'as gift. En gros, t'as donné ton gift à Ced. Je comprends rien ce qui se passe. Moi, j'y comprends rien. J'aime bien les muffins. Ah bah voilà, pas mérité. Merci pour l'abonnement cadeau. Bah, c'est fou. Tes triples chocolats. Attendez, mais t'as fait quoi en fait? Tu peux m'expliquer, petit muffin? T'as acheté un sub, d'accord, mais pourquoi ça a dit que tu as utilisé ce que t'as donné Aimé pour faire un gift à 7? J'ai pas compris.
En vrai, là, si vous, je vous incite pas à le faire. Mais si vous donnez 100 bits, je pense qu'on passe à 100% et ça passe à level 2. Mais si, attendez, si ça sert à rien que ça passe level 2, oubliez. Hein. Moi, c'est juste, je suis curieux de parce que je sais pas à quoi ça sert, mais. Bref, il y a trop d'amour là dans. En plus, c'est même pas un live Genshin, quoi. Ça sert à rien. Bon, bah, gardez vos bits, gardez votre argent. Donnez votre thune à Kishni. Il dit non. Là, ça, si ça sert à rien, ça sert à rien. Vous avez déjà beaucoup plus donné que ce que je pouvais espérer de quoi que ce soit, parce que moi, à la base, je m'attends à rien. C'est pas mon métier. Donc, voilà. Mais. Vous m'avez. Vous m'impressionnez. Je sais pas quoi dire. Je dois faire quoi là? Je dois aller où? You miss the train. Il prend les tickets resto. Non, il n'y a pas de tickets resto ici au Canada, donc je peux pas trop. Je dois faire quoi là? Ah merci encore le petit muffin. Bon bah t'as loupé le train, mais. Oh, c'est trop gentil quoi. Je sais pas quoi dire. Par merci. J'espère que tu fais ça en connaissance de cause, hein, petit Muffy. Que tu dépenses pas tout. Oula. Attends, je peux aller là-bas, non? Mince, j'ai loupé. Bah, c'est pas grave. De toute façon, si ça sert à rien. Écoute, moi, je le vois juste comme une énorme générosité. Ce qui est déjà bien suffisant. Ça me sert à quoi de. Ça me sert à quoi de venir ah, là? Ah, ok! Pour la peine. Oh non! Rends l'argent aux abonnés. J'y crois pas. Bon, d'accord. Je donne le sub à qui, Scan? Écoutez, vous mettez la main au porte-monnaie. Moi aussi, je vais devoir en mettre la main au porte-monnaie. J'offre un abonnement à qui, Scan? Parce que là, il y a qui? Il y a Aimé qui a un... Ah non! Attends, je sais plus ce qui s'est passé. Attendez, je remonte dans ce qui s'est passé, parce qu'alors là, je suis perdu. C'est qui a eu un abonnement? C'est Aimé qui a... Oui, c'est Aimé qui a donné un abonnement à Muffin. Muffin qui a donné un abonnement à Ced. C'est début de mois. Ah, début de mois, d'accord. Bah non, mais ça fait plaisir que genre... Ce que tu as en trop pour toi, tu le mettes là. Mando. Alors, j'attends de voir ce que va me dire Scan. Parce que Scan, il a déjà un abonnement aussi, normalement. T'as dit Mando? Ah merde, t'as dit Mando? Prends l'argent. Donne-le à Mando. Ah, excuse-moi, j'avais pas... Bon, et eh ben Mando. Alors, je sais pas. Ah, tu es là. Mando. Offrir un abonnement. Offrir un abonnement. Eh, c'est la journée généreuse hein, aujourd'hui là. Ah, ça y va à l'appel là. Et ben voilà, Mando. Un abonnement. Profite de Ahsoka. Enfin, la vidéo. Vous êtes adorable. Tu me rembourseras en donnant ton gosse, quoi. Évidemment. Et trop de générosité aujourd'hui. Ok, et maintenant je peux me laisser glisser contre... Ah non, c'est là. Attends. Oula. Qu'est-ce que je fais là? Je peux me laisser glisser contre la paroi là? Ah oui. Attendez. T'inquiète, c'est pas en trop, je viens te demander... Une rançon dans 2 semaines. Paye-moi en muffin. Finish him. Il va me le demander comme ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Oula, des éclairs. Palpatine. Oh, ça, c'est classe. J'ai peur, par contre. J'ai très peur. Ouf. Mais là, si je saute, je vais être emporté. Ouais, c'est ça. Merci Kishni, je n'oublierai pas ce geste, même si tu m'as promis que Ahsoka, alors que rien du tout.
Quoi? Même si tu m'as promis que Ahsoka alors que rien du tout. Ah d'accord, alors que t'as rien eu du tout. Oui, non mais c'était en vidéo quoi. Moi pas parler français mais t'as capté. Oui, je pense que j'ai capté. Je crois que je m'aime un peu trop. Ah tu vas t'auto-bouffer. Attendez. Ah, fallait faire ça? Non. What? Hey. Oh, attendez. Garrison's half empty. We can strike before reinforcements arrive. Sounds promising. On en fait un ordre. Marin and Grease haven't made it back to the ship yet. As soon as they do, I'll scout ahead and they can rest on the Mantis. You know they'll never allow themselves to rest if you're in danger. You never give up. And that's what inspires all of us. But you have to remember that where you lead, they will follow. I know I've been pushing recently, but ever since Grease got hurt... What happened to Grease is not your fault. But ever since then, you've been reckless. I keep worrying about something bad happening to one of you. It's good to acknowledge your fear. But don't let it determine your path. Focus on the moment. Choose your direction and act with certainty. And trust that, whatever the odds, you'll pull through. Cal, trust yourself. Believe in the Force. Trust in the Force. Putain. Exactly. Il a quand même changé hein, depuis. Je trouve beaucoup plus classe aujourd'hui en fait. Rond pour effectuer une ruée et sauter plus loin à travers les rafales de vent. Oh, trop bien, on a un dash! On a un dash! Oui! Par contre, les gars, faites pas les connards, mettez pas les sounds d'alerte pendant les cinématiques. Ouais, j'y pensais. Il est roux? Ouais. Oui, oui. J'ai misclick, my bad. C'est pas grave. T'as enfin capté. Mais à l'aide, quoi. As-tu déjà joué à Battlefront 2? Oui. Oui, j'avais joué à Battlefront 2. D'ailleurs, c'était le 1 ou le 2 où j'avais fait des bonnes parties, mais je parle des derniers, hein. Enfin, du dernier qui était sorti. Et ouais, j'avais joué... Attends, quoi? Mais j'ai fait la poussée... Attends, je l'ai... Sauter! Ah, mais sauter! Tu peux faire avant et après? Attends, tu peux faire plusieurs? Non. Attends, trop bien. T'es un fan de Battlefront 2, Anakin? Tu joues encore, non? C'est parce que je le regarde pas, c'est vrai. Oh yes! Je regarde une belle quiche saumon épinard, là. Ah, je pensais qu'au début, tu parlais de moi, parce qu'on m'appelle souvent quiche. Tu sais, comme je l'appelle quiche nifou. Mais bon appétit, Aimé. We gotta take this storm head on. Brace yourself, BD. Ok. Oh, trop bien. He always knows where to guide me, even if I don't know my next step. Cal, what happened? See for yourself. Au fort. Je parle de toi. Tu parles de moi? Moi, je suis une quiche saumon épinard, là. Bon, ça va, je le prends bien. C'est normal, tu préfères admirer le beau portrait de Kishni. Et toi, t'as su qu'elle parlait de moi, mais... Bon appétit, bah écoute, merci. Oui, maintenant, je comprends que c'est un petit peu bizarre, mais... Oui, de temps en temps, ça m'arrive. Ok, bah moi, ça fait un moment que j'ai pas retouché au jeu, j'avoue. Mais... à l'époque, on s'était fait pas mal de parties avec pas mal de gens fans de Star Wars aussi. D'ailleurs, attends, Anakin, parce que maintenant que je te connais un peu mieux,
Est-ce que t'as rejoint le Discord ou pas? Oh, t'as rejoint le Discord? C'est toi, je peux dire ton prénom? Je peux dire ton prénom en live? Et là, je vais leur dire que pour une fois, c'est un fan de Star Wars. Faut que je leur dise, parce qu'ils sont habitués que c'est toujours un fan de... C'est toujours des fans de Genshin. Mais là, faut que je leur dise, attendez. Oui, j'ai rejoint. Oui, tu peux. Ok, donc c'est, tu t'appelles Ethan, donc sur le Discord. Donc je vais te dire, bienvenue, Ethan. Et je vais dire, et pour ceux qui se posent la question, pour une fois, c'est un fan de Star Wars. Voilà. Attends, faut que je mette un petit smiley là. Voilà. Mando qui met c'est pas trop tôt juste après. Aïe aïe aïe. Bon, j'irai lire après les messages plus tard. Bah, c'est cool, Anakin. Je suis content que t'aies rejoint. Ça fait plaisir. Ethan Hunt. Prénom de Goat. Ah bah oui. Toutes les meufs qui te regardent te veulent. Bah il y en a y a personne qui m'a voulu réellement. Regarde, je suis encore là. Il y a personne derrière. Il y a pas de. Non mais je plaisante. Mais je sais pas. Moi je suis pas dans leur tête. Moi on n'est jamais venu sur mes lives pour me regarder moi. Donc écoute. What's the Empire up to? C'est pour ça que je reconnais même pas quand on parle de moi. Qu'est-ce que tu veux? J'allais dire comment je vais faire pour l'atteindre, mais d'accord. Ah ouais, maintenant ils vont nous la faire utiliser à toutes les sauces là. C'était chaud, t'as. Wow. C'est quoi ça? Be careful. I'll see you inside. Meryn va distraire l'Empire. Non, reviens, Meryn, non! Je suis rien sans toi! J'ai compris, mais je pensais que le vent, il allait me prendre avant, vous voyez. Enfin, alors qu'en fait, il faut que je fasse ça, 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 il me prend, je m'accroche. C'est bon, j'ai compris. Ok, il y a quelque chose là-haut. Ce genre de foreuse, ça appartenait aux séparatistes. On en voit pas mal dans The Clone Wars. Je me souviens pas. Je me souviens pas d'avoir vu une telle foreuse. Mais alors, est-ce qu'elles sont plutôt posées à terre? Parce que là, comme elle était en l'air, j'ai pas trop reconnu. Mais après, vous me connaissez. Hein, je suis pas la référence dans Star Wars. Hein. Je pense qu'il y en a un, il se fera un plaisir de confirmer. Donc maintenant, attendez. Maintenant, je suis capable de remonter là. Et d'aller là. Hein. On est d'accord. Là, maintenant, c'est bon. C'est fait, c'est acté. Ok, part. On va enfin y arriver. Trident classe assaut ship. Le vaisseau pieuvre. Oh. C'est la machine qui a attaqué la base Kamino. Où les clones sont produits, si je me souviens bien. Ah, oh. D'accord, mais c'est une sacrée machine. Non mais, voilà, ça que je veux faire. Merde, je l'ai même pas fait. Ah si, il est tombé. Non, moi aussi. Bon, c'était un petit peu fouilla, mais... Et là, je peux descendre, là? Je pense que oui. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a ici? Je vais aller chercher quoi là-bas? On va voir. Et j'espère que c'est pas un bout de sabre ou quelque chose comme ça, parce qu'alors là... Ou alors c'est le chemin en fait. Je peux soit aller là? Non. Non, ça c'était tout à l'heure.
batterie par exemple. Une belle machine, effectivement, tu auras l'occasion de le constater. Ah, j'aurais le... Ah, ça me rassure, ça, Mando. Oui. Fontaine de l'air. Ok, ok, ok. On est prêt. On est ready. On ne fait qu'un avec la force. La force est avec moi. C'est quoi la phrase ? La force est avec moi, je ne fais qu'un avec la force. Quoi déjà ? La force est avec moi. C'est quoi la phrase ? Je ne fais qu'un avec la force est avec moi, je ne fais qu'un avec la force est avec moi, c'est ça, non ? I'm one with the force is with me. I'm one with the force is with me. Je fais corps avec la force ? Je fais corps avec la force, ah c'est ça. La force est avec moi, je ne fais qu'un avec la force. Ah, vous n'êtes pas tous d'accord. D'ailleurs, pourquoi Kish Nifu ? Ton pseudo a une histoire ? Alors, je n'ai jamais raconté l'origine de mon pseudo. Il y a une blague là-dessus qui dit que je la raconterai quand j'aurai 1 million d'abonnés. Mais c'est une blague, en fait, pour dire je ne vous la raconterai pas parce qu'en fait, oui, ce pseudo a une histoire, mais l'histoire, elle est débile. Tu te rappelles quand tu as utilisé tes points de chaîne pour utiliser Peggy 18 ? Tu sais, où tu as entendu Peggy 18 et tu as été déçu ? Tu seras autant déçu. Donc, c'est pour ça qu'en fait, je ne le raconte pas pour que ça entretienne un espèce de petit mystère. Il y a des gens qui ont deviné, mais c'est presque impossible à deviner. Il y a certaines personnes, peut-être ici, je ne suis pas sûr, il y a des gens peut-être qui le savent, mais je leur ai dit de rien dire pour entretenir un peu le mythe, mais vraiment, il n'y a rien. Franchement, c'est nul, ok ? C'est il arrivera un million d'abos, c'est ça. C'est Chirrut qui dit je fais corps. Ah, mais c'est Chirrut, ouais, que je voulais savoir. Je fais corps avec la force est avec moi, c'est ça qu'il dit. Ok. Ok, ok. Non mais qui... Non mais cale enfin là, oh. Je suis triste. Ah, mais t'es pas la seule, hein. Il y en a beaucoup qui voulaient savoir mon pseudo et je leur ai répondu à tous la même chose. Donc je suis désolé. Mais je sais que je crois que les personnes qui me suivent depuis très longtemps ou qui sont proches, tout ça, ils le savent. Pour vous donner à tous un petit indice, même si ça ne vous avancera à rien, presque toute ma famille, du côté de ma mère en tout cas, me connaissent avec ce nom-là. Donc c'est un nom de famille. Enfin, c'est, non, c'est pas un nom de famille, c'est pas comme machin quelque chose. Non, 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 non. C'est un nom que ma famille connaît, qui ils m'appellent comme ça pour quelque chose, mais c'est ce quelque chose que vous savez pas. Mais ma famille du côté de ma mère m'appelle comme ça. Kishni, Shnifu, Kish, Kishnifu. C'est presque un nom de plat de l'ustu cru, genre les gnocchis, c'est ça ? Les knackis. Faudrait mettre un truc à 10 000 K-coin. Tu expliques l'origine du pseudo. 10 000, c'est largement pas assez. Non, c'est largement pas assez. Mais par contre, je pourrais le mettre par exemple à 100 000. Mais par contre, ceux qui sont sur le live à ce moment-là et qui ont droit à la révélation de que veut dire, de pourquoi, de l'origine de mon pseudo, vous devez jouer le jeu de le dire à personne. Et ça, après, la confiance... Je veux bien vous l'accorder, moi je suis quelqu'un qui accorde ma confiance facilement. Mais par contre, quand on trahit ma confiance, là c'est autre chose. Donc, 100 000 et tu le dis en MP Discord. Ah, ça c'est une très bonne idée. Je peux le mettre à 75 000 ou à 100 000 et je le dis à la personne en privé qui a utilisé ses K-coins. Ça c'est une bonne idée ça. Bon, si je joins ton Discord, tu me le dis. Je peux pas déroger à ma règle, aimé. J'ai beau t'apprécier, aimé, ça n'a rien à voir avec l'appréciation. Je dis ça, tu te rends compte que je dis ça depuis presque 10 ans maintenant. Ça fait 10 ans, je n'ai pas révélé à qui que ce soit, à part. Tu vois, mais je peux effectivement essayer de mettre en place un moyen d'utiliser des K-coins et vous pouvez, et je peux vous le dire en privé, oui. 100 000, c'est peut-être un peu trop, je peux peut-être réduire un peu, mais voilà.
Seulement la personne qui met les 100K. Ouais, c'est possible, ouais. Deal. Mode économie activé. T'imagines, tu dépenses 100K, il vient dans TMP, il te répond, en fait, c'est parce que ça sonnait bien. Mando, c'est pas ça, c'est pas ça du tout. Mais je pense que vous seriez aussi autant déçu que ça. En vrai. Voilà. Donc, attendez-vous. Hein. C'est, en vrai, c'est vraiment ça, quoi. Allez, on continue. Là, je vais jamais l'atteindre, là. Ah si, fallait juste que je croie en la force. Anakin est encore là, c'est pour ça. Il m'a guidé. C'est sûr, c'est bidon. Bah, l'explication est pratiquement aussi bidon, hein, les gens. Donc, je vous aurais prévenu. Hein. Je peux pas aller à droite, là. Ah si. Si. Non. Bah, moi, de base, je me serais jeté en face et j'aurais fait... J'aurais fait la poussée de force. Ouais, voilà. J'arriverai jamais au 100K. J'aime trop la commande bon tu joues. Attendez-vous à être déçu. Ah bah sympa la promo. Ah mais je ne fais pas de promo. Attendez-vous à être déçu. Je vous l'ai dit et je le redirai s'il le faut. Vraiment. Là, j'ai pas envie de vous faire espérer pour rien. Ça sert à quelque chose que je fasse ça? Non, c'est juste pour revenir. Incredible. T'es ni une quiche ni un fou. Non. Toujours croire en la force, mon ami. Tu as raison. Heureusement que tu es là, Anakin. Ni quiche ni fou. Non, c'est pas ça l'explication. Non. Non, 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 non. Bon, est-ce qu'on arrive à la séquence ou alors pas encore, hein? Parce que là, moi, faut que j'arrête dans. Ouais, quand même, hein. Faut que j'arrête dans 30 minutes. Si je veux avoir le temps de manger avant le live. Oui, parce que une fois que j'arrête, je relance le live. Hein, 30 minutes après. Parce que, mais par contre, pas sur Jedi Survivor. On va se faire du Minecraft. D'ailleurs, s'il y a des gens ici qui veulent jouer à Minecraft avec nous, parce qu'on va jouer avec tous les gens du Discord, vous pouvez installer Minecraft ou alors vous pouvez nous rejoindre. Suffit d'être sur le Discord. On va tous en vocal. Si jamais vous ne voulez pas parler, vous pouvez vous mute. Hein, y a pas de problème. Et on va jouer à Minecraft tous ensemble. Donc, vous êtes les bienvenus. Quand tu ressors de ce temple maudit-là, tu auras la séquence. Ok. Il va s'arrêter juste avant, j'en suis sûr. C'est possible. Moi, justement, je dois y aller. Peut-être à plus tard. Ok, Willou. Bah, j'espère à plus tard. Sinon, aucun problème. Et bah, écoute, bonne fin d'après-midi. Bon début de soirée à toi. C'est plaisir de t'avoir. Attends, là j'ai été là, mais j'ai l'impression que c'était pas du tout là. Bah si. À toutes. Ah mais c'est là, oh là là. Apprends à observer un peu, Kishni. Ah ok, d'accord, j'ai compris. Oh, avec le dash là, je me prends pour Sonic. Ah oui, parce que avant Star Wars, je suis avant tout un fan de Sonic. Si vous voulez un peu, ça fait Star Wars, Michael Jackson. Non. Sonic, Michael Jackson, Star Wars, Genshin. Voilà un peu l'ordre de ma vie. Petit fun fact. Ma première session de jeu de 25 heures s'est arrêtée juste avant cette séquence. Oh! Donc t'as eu une bonne surprise à ta deuxième. What the? Salut les gars. Bah c'est bon, ils sont tous morts? Parfait. Alors, on y est. Non, mais attendez, c'est vraiment... Eh, mais... Attendez. Mais quoi? C'est vraiment ça, le palais, je pense, de... Oui, il est peut-être un peu gros, là, non? Mais j'ai l'impression que c'est à peu près... Non, mais... Que c'est à peu près de cette vue-là qu'on voit le rayon. Vous savez, c'est le rayon de l'étoile de la mort. Et que là, il arrive là, quoi. Putain. J'avais continué 15 minutes de plus, je serais reparti pour 5 heures de jeu supplémentaire. Attends, t'es en train de dire qu'avec la séquence, je suis obligé de continuer après pendant 5 heures? Parce que là, sinon, on la fait pas la séquence. Hello there, bon game Kishni. Oh, Quentin! Quand un être nous manque, il arrive toujours à point nommé. Ah, Quentin, ça fait plaisir de te voir. Tu passes pas souvent, mais je suis content de te voir à chaque fois. Comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir. En plus, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. C'est le stream
genre généreux fois un milliard, quoi. Et toi, en plus, tu passes toujours dans les bons moments, toi, Quentin. Toujours, t'étais toujours là quand il faut. Non, je suis en train de dire que j'étais tellement fatigué à force de jouer car ça m'avait réveillé en 2 secondes. Ah! Wow, cette phrase me fait toujours le même effet. Oui. Et oui. Ok, donc là, je suis bloqué. Est-ce que je peux m'accrocher? Non. Je peux pas utiliser la force. Je peux venir là, ok, c'est bon. Pilgrim Sanctuary should prove a worthy location for the safe house. Je commence vraiment à avoir faim, mais je résiste. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, je sais pas. Il y en a qui se sont offerts des subs. Ça offre des trucs, quoi. Aujourd'hui, là, je sais pas ce qui se passe. Puis on est nombreux. Il y a autant des fans de Genshin que de Star Wars dans le même stream. Enfin, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Il y a plusieurs décennies, le sanctuaire du pèlerin était un refuge pour ceux qui cherchaient un abri sûr. Aujourd'hui, Serré, Junda et Eno Cordova ont réaménagé l'espace pour offrir un nouveau sanctuaire associé aux associés du passage. C'est bio. Mais oui, il y a même une commande qui s'appelle C'est bio. Si tu vas voir dans les points de chaîne. Bon, par contre, elle dit pas C'est bio. Hein. Tu peux être surpris. Ah, attendez, j'ai des... Ready to go. J'ai des points de compétence. Alors, j'ai une question. Soit je persiste dans la force, enfin dans la manipulation, soit je commence à améliorer mon sabre laser à une main, là. Le truc de Kylo. Il a trouvé la voie de la sagesse, c'est ça. Parce qu'en fait, je sais que moi, j'aimerais bien persister là-dedans parce qu'il m'en reste... Il m'en reste que un à faire. Enfin, un, deux, quoi. Par exemple, lui. Et après, lui, l'autre, il coûte combien ? Désormais tes ennemis humanoïdes résistants. Ok, ça c'est bien ça. Et donc là après je pourrais faire lui et ses deux. Donc il me manque plus qu'une compétence. Et après j'améliorerai mon sabre Kylo Ren. On va faire ça. Allez, let's go. J'ai vraiment faim mais je résiste pour vous vraiment là. Et là j'aurais pu m'arrêter. Hein. Pilgrim Sanctuary has some new caretakers. La classe. That sentry droid could be trouble. Fais ce que te dicte ton cœur. Je vais suivre ton conseil, mon cher. Mais mon cœur me dit que il y a un moment que ceux qui sont là veulent voir une certaine phase. Donc j'aimerais bien leur emmener. Les emmener à cette phase-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, on va tout faire pour. Même si après j'ai un autre live de prévu sur Minecraft avec la KF là. Oh, ça sent le combat là. Et dire que le prochain live Jedi est dans 2 semaines. Non, peut-être pas. Non, je crois qu'il sera vendredi prochain. Allez, qu'est-ce qui t'attend à manger après ? La même chose que hier, je m'étais fait une espèce de petite bolognaise avec riz et petit pois. C'est mort les gars, il en a pour une heure encore. Ah merde. Ah oui, tu es enchaîné par tes viewers, ouais. Mais ça va, c'est plutôt un enchaînement agréable. Someone wiped out the squad on Overlook Patrol. Take it, Herb. Put that ghost story to bed, soldier. On s'infiltre. Oh là là, mais le carnage qu'on fait. On est trop fort. Le carnage, on se fait même pas repérer, quoi. On sait même pas faire repérer. On est bon. Non mais attendez là, j'ai sorti un gameplay de malade mental là. Ça m'arrive pas souvent ça. Non mais wow. Ah, un établi. Quentin, tu as l'honneur de choisir la couleur. Je te laisse choisir la couleur. À chaque fois qu'on a un établi, on change de couleur. Vu que tu es là, je te laisse l'honneur de choisir la couleur. Allez, tu as le droit de choisir. Parmi toutes celles-ci.
J'attends ta réponse. Sachant qu'on avait déjà eu le violet, on vient de mettre le vert. Ah bah oui, je te laisse l'honneur. Allez. Anakin dit bleu. C'est vrai qu'on n'a pas fait encore le bleu. On a fait le blanc, le violet et le vert. À chaque fois qu'on trouve un établi, on change. Sauf la dernière. Oh, on l'a trouvé deux secondes après. Et Scaninounet. Va pour du rouge. Oh, il est. Mais je l'ai pas. J'ai du rose ou du orange. Je fais quoi? J'ai que cela. Hein. Du rose. Non, bah non. Bah peut-être, hein. Ça dépend s'il choisit rose. Blanc, alors. On l'avait déjà pris, le blanc. On avait déjà pris blanc, violet et vert. Est-ce que tu peux en choisir un autre? Histoire qu'on change quand même. J'avais pris blanc, violet, vert. Je sais pas si au début j'avais pas pris jaune, mais je suis pas sûr. Allez, un dernier essai, Quentin. ne te laisse pas atteindre par le côté obscur. Bleu de ton choix, alors. Ah, bah très bien, du beau bleu. Merci. Ah, c'est bien. Parfait. J'approuve. Merci, Quentin. Je peux faire quelque chose, là? Je peux rien y faire, là. Mais pourquoi il y a un truc et que je peux rien y faire? C'est encore une énigme? Bon, bah tant pis, hein. Je peux pas. Il est trop tenté. Et pour le moment, on s'est encore pas fait repérer. Hein, mais là, par contre, ça va être le cas. Non, c'était pas lui que je voulais. Je voulais atterrir sur l'autre. Oh, c'est pas vrai. Mais je suis pas un PGM, là. Jusqu'à ce que je me fasse. Voilà. Bon, sors de là. Mais qu'est-ce qu'il fabrique, là? Mais... Bon. Je savais que j'avais parlé trop vite. Aïe, 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 aïe. Aïe. Help me, BD. Escape is impossible. Fais ça. Merde. Merde. Non, je me suis protégé. Empire still has no idea what's under their noses, but they'll find the safe house eventually. Let's keep moving. J'avoue, quand j'ai vu Shin Hati dans la série Ahsoka, j'y ai pensé. Que l'esquive soit avec toi, merci aimé. C'était chaud, hein, mais j'ai réussi. À toutes, je reviens au stream Minecraft. Ok, petit muffin, merci. Bah, à tout à l'heure alors. C'est quoi ça? D'accord. Et ça, on peut pas le désactiver. Hein. Oh, 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 c'est quoi ces machins là? Plein de petites merdes qui grouillent à mes pieds, quoi. No sign of the path safe house yet. Bon, vous croyez vraiment que je vais pas y arriver, c'est ça? C'est... Ça va pas aller?
On fait n'importe quoi. Mais on y arrive. Waouh. Oh, attendez, qu'est-ce qui se passe là? Attendez, je veux voir. Wow, ce machin. Et Padmé restera toujours mon premier amour. Oh, ça glisse. J'ai fait, mais attends. Ok, j'ai compris. Vas-y, remonte. Ça, c'est bien, ça, comme séquence. Je sais pas si c'est de celle-là que vous parliez. Non, à mon avis, non, mais. Wow, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est? Je dois aller où? C'est comme un T-Rex, mais en mode nouvelle technologie, quoi. Attendez, je vais utiliser. Allez là, voilà, enfin. Ok, raccourci. Ah non, c'est... Si, c'est un raccourci. Ok, donc c'est pas là qu'il faut aller, c'est là. Il a utilisé la confusion. J'apprends de mon droïde préféré. Je pensais louper le moment en allant manger, mais non. Ah bah tant mieux. Remando. Attends, mais on y arrive là alors, non? Tu t'étais arrêté un peu avant, Scan. C'est pas possible. Tu t'as pas pu t'arrêter à un endroit comme ça. Mais je comprends pas où est-ce qu'il faut aller. Là? N'y arrive, Kish, ni on y arrive. Bah, j'espère. Et je suis ton droïde préféré, mais bien sûr. Je me suis arrêté avant l'entrée du temple. Ah d'accord, donc t'étais pas allé jusque là. Ok, donc ça me rassure alors. Sauf que moi, ce qui me rassure pas, c'est que là, je sais pas du tout où aller. J'ai pas compris leur pattern là. Est-ce que c'est ça en fait? Ça là? What? On a une jauge? Non, on peut respirer sous l'eau, on est dans Star Wars. Je peux pas allumer mon sabre. Il y a des trucs verts pour me guider. Ok. Bon, c'est moins bien fait que dans Genshin. Je plaisante. Oh là là. Bon, on y voit mieux en tout cas dans Genshin. Moins bien fait. Ah, ça va. C'est totalement différent. Je vais te zigouiller, tu vas voir. Allez, on va arriver à la séquence, là. Même si, pour moi, elle a déjà commencé, la séquence, là. Je confirme que c'est moins bien fait. Ah, tu vois ? Mais, elle le dit. Maintenez pour monter plus vite. Ok. Parfait. Bon, qu'est-ce qui va se passer, là ? Qu'est-ce qui m'attend ? Qu'est-ce qui va se passer? Ça vaut pas le monde sous-marin de Kobo, mais quand même, quoi. Je sais pas, je l'ai pas vu encore. Bah, j'ai ramené les deux trucs. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Je pensais que ça allait suffire pour ouvrir la porte, moi. Ah non, pas une énigme. Hein. Putain, ça, c'est vraiment bien fait, ça, quand même. Hein.
méga puits là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Ben... Moi ça me paraît logique. Mais tu veux que je fasse quoi avec ça? Ah attends mais... Est-ce qu'il faut que je les fasse arriver tous les deux en même temps? Ça, ça doit bien servir à quelque chose, ça, non? Est-ce que quand c'est là, ça, je peux actionner un truc, là? Oui, j'oubliais, il y a fucking énigme avant. Génial. Bon, bah, les gars, c'est parti pour une heure d'énigme. Oh non, faut que j'y aille, moi, après, là, oh... Au bout d'un moment, aidez-moi, quoi, parce qu'alors là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il n'y a absolument rien, là. C'est même pas une énigme, c'est deux trucs qui glissent. Qu'est-ce que tu veux que ça... Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe, là? Faut que j'observe. Comment on est en train de le prendre en otage? Bah, oui. Attendez, on va essayer de... comprendre. Ils vont aussi vite tous les deux. Je comprends pas. Utilise ta foi en la force et elle te montrera le chemin. Je vais me concentrer. Je vais essayer. Je te garantis rien. Quoi? Mais j'avais pas vu ça. Clairement, faut que je l'accroche là-bas. Et celui-là aussi, alors? La question, c'est... À quoi ça sert? Parce que si je fais ça, ça change quoi? Ouah! Non, 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 je demande pas d'indice, mais je pense que j'ai compris du coup maintenant. Mais là, par contre, attends. Oui, 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 d'accord, parce qu'en fait, ça lève. Ok, ça le lève pour le laisser passer. Mais... De toute façon, ça, je peux pas l'atteindre. Donc en fait, ça, il faut que je le fasse. Je veux juste tester un truc. Si je fais ça, que là, je le tire. Ah ouais, mais là, il est pas au bon endroit, là. Ah, et là, faut que je le retire maintenant. Comme ça, il peut plus aller à droite. C'est bon, j'ai compris. Et voilà, on a réussi. Putain, je suis pas con. Je suis pas con. Ouh. J'avais peur pour moi-même. Kishni, si tu arrêtes maintenant, Genshin disparaît. Non, non, non. Si tu arrêtes maintenant, tu seras démuni de tes fonctions. De maître absolu. Non, non, mais c'est Anakin, il m'a aidé, tu vois. Si tu arrêtes maintenant, Lord Jedi n'existera plus. C'est bon, j'ai. On y va. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Ok, getting closer. N'y arrive, Kishi, si tu arrêtes maintenant, je te quitte. Ah non, bah non, mais ça, je pourrais pas m'en remettre, par contre. Donc, je ne peux pas Let's arrêter go, maintenant. BD. This is where the fun begins. Oh putain, faudrait qu'on l'ajoute, celui-là. Faudrait qu'on l'ajoute, le This is where the fun begins. Surtout qu'il me reste un emplacement de vocal. Donc il faudrait que quelqu'un me... Si quelqu'un peut me l'envoyer en MP3, le This is where the fun begins, en privé sur Discord, en MP3, je l'ajoute pour le prochain stream.
Maintenant, tu pourras aller manger. Oui, ça, c'est vrai. Allez, on se concentre. Laissez-moi me concentrer. On ne parle plus. Le gars, le streamer qui demande à son chat de plus parler. C'est vraiment MP3 contre un live Genshin aujourd'hui. Non, ce sera un live Minecraft aujourd'hui. Allez. Quickly, everyone. This way. Hurry. Are you coming with us? I must remain here a little longer. Go now. There is no time. I will seal the passage behind you. Let's go. Quentin, tu connais toi le jeu? Tu l'as May fait? Faut pas me spoiler. Hein. D'accord. Améras guide un groupe de réfugiés à travers un chemin périlleux dans un acte de noble de sacrifice. Il leur demande de continuer et de rester s'assurer que l'Empire ne les suivra pas. Point de compétence obtenu. Oh! Oh! Attendez. Bien joué. Easy now. See your Junda sent me. Master Junda, you use the force, you're Cal Kestis. Je crois qu'il va lui faire un check. It's time to go. The Empire's closing in. Yes. Which is why this must make it back to Master Junda. These contact codes cannot fall into the hands of the Empire. Décédé. C'est devenu une crêpe. Pire qu'un muffin. Oh GG. Oh oui. Oui, là il est un peu mort, ouais. D'ailleurs tu devrais le voir, il, ça doit être une crêpe. Qu'est-ce que c'est? Tu vois pas quelle galère là, grouille? Ah, ça me permet de passer à travers les... Trop bien. Attendez, attendez. Non, malheureusement, il n'était pas sur Xbox One, donc j'ai regardé le film sur YouTube. Ah, bien. Tu dois rétablir l'équilibre dans la force, pas la condamner à la nuit. Oui. J'aime les crêpes. Un artefact de Datomir créé par une personne non identifiée connaissant la force. Lorsqu'il est utilisé en combinaison avec l'agilité remarquable d'un Jedi, il permet à son porteur de canaliser brièvement la magie des sœurs de la nuit et de passer à travers des obstacles infranchissables. D'accord. Oh! Bah voilà, on va s'arrêter là! J'attends qu'il râle là. J'attends qu'il râle. On va mettre une compétence supplémentaire. Le prank. Alors, je vais mettre ça. Voilà. Maîtrise de la confusion. Il faut que j'arrête maintenant ? En vrai, moi je peux vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Hein. Parce que si vous me dites que là, le prochain point de passage, il est loin, laissez tomber. Par contre, si vous me dites que là, il y a quand même une séquence, il faut pas que j'arrête. Non, allez, je continue. Non, j'arrête. Non, je fais pas le con. Allez. Continue, c'est un ordre. C'est le seul ordre que je reçois en tant que maître absolu. It is our duty to make sure his death gets... Whoa. Let's get these codes to see you. Oh. Ah ouais. Oh là là. Oh là là. Ça c'est bon ça. Je suis en train de mourir. Ah mais je pouvais refaire un double saut. Ah, le fait de passer réinitialise la ruée de force. Ok. Salut la scie. Je m'en vais. Ça, c'est classe. Mérine, tu m'as fait peur encore. Attendez, qu'est-ce que ça bave? Ok, c'est bon. Merci, Ced. Ouah. Au secours. Ok. Let's go. Ah. J'étais pas assez haut. On va y arriver. Oh
Oh, je me crois Sonic là. Oh ouais. Ah, c'était bon ça. Ah, cette phase, vous aviez raison. C'était mieux que ce que je m'attendais déjà. C'est déjà mieux. Je m'attendais juste à voir saut, moi. Oh, je peux faire comme toi. Presque. Wow, wow, wow. Ouf. Oh, c'est impressionnant. Attendez, faut que je regarde. What? Je peux pas regarder? Ah! Au secours! Je vais me faire écrabouiller. Moi aussi, je vais devenir une crêpe. Je voulais juste observer, moi. Attendez, je veux observer. Quoi, il y a des ennemis? Oh non. Salut! Non mais... Va chier! Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que j'aille où, là-bas? Je pense que... Continue si t'es un vrai Jedi. Bien sûr. Ils sont encore là, eux? Ouais, non, non, mais en fait... Non, c'est bon, t'occupes. Bon, d'accord, on va s'en occuper. Eh oui, maintenant je peux te... Bon, par contre, là, tu me sers un peu à rien. Merde, non! Mérine. Merci. Attendez. Il y a un endroit que j'avais été tout à l'heure. Attendez. J'ai pas oublié, moi. Attendez. Je me souviens de quelque chose, moi, là. C'est que ces genres de choses, en tant qu'explorateur professionnel dans Genshin, je n'oublie pas. Je peux oublier où c'est, mais je n'oublierai pas. Est-ce que c'était là? Ah! Non mais attendez, je me la fais pas moi celle-là. Là. Surtout si c'est pour avoir plus de force ou de vie. Un steam? Non, c'est pas là que tu trouves les steams de plus, c'est dans des coffres. Essence de force. Et bam. So n'est pas encore sur Jeddah. Il ne s'y rend... Ah d'accord, qu'un an avant Rogue One. D'accord. Révélé dans la... Escadre de Rebelle. Ok. C'est bon, c'est fini, tu peux arrêter. Hâte du live Minecraft. C'était ouf. Scan ce troll. Un établi change de couleur. Non. Là, on y va, là. Oh. Hey, moi, j'ai faim, moi. D'accord. Oh! Bon, on va arrêter. Non, je plaisante. C'est vraiment pas fini, hein. On est d'accord, hein. Eh, allez, je me grouille. Je vous dis, la journée, elle dure pas assez longtemps, quoi. T'inquiète, Mando. Je vais te faire plaisir. Moi aussi, ça me fait plaisir. Ouh là là, ça c'est bien. Oh, salut les gars. Alors attends, déjà toi. Non mais là, mais... PGM. Mais quoi? Voilà. Je m'en sors bien, non? Dans le rush. Peut-être je me taise, moi. Finish him, exactement. Anakin, bien utilisé ça. Je vous fais des bisous, à plus tard. Bisous, aimé. À plus tard. Arrête tout avant qu'il ne soit trop tard. Regarde, tu perds ton amoureuse. Oula. Là, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Mais là, je l'ai renvoyé. Oh, et... Non, là, c'est abusé, là. Allez, on continue. Là, c'est bien, toute cette vague d'ennemis, là. C'est marrant. Thank you.
Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, tant pis. Ouh, ça fait mal. Oh, elle le finish. Elle le finish him. Oh. On est en train de foutre le bordel sur Jeddah là. Une force. C'est pas le temple qu'on voit dans le comic de Kylo Ren. Je crois que c'est... Non. C'est pas dans le comic de Kylo Ren. Je sais plus. Je sais plus quel comic c'est. Ok, tu fais confiance. Non. Non. Bah là, je pense qu'il va te faire confiance maintenant. C'est ça la séquence. Je comprends le truc. C'est bon, je peux arrêter maintenant, c'est ça, hein. Le bisou. Et là, il meurt. Oh là là. Oh, c'était... En plus, ça a duré longtemps, hein. C'était mignon. Là, là, elle a pu prendre son temps, hein. Bon, bah maintenant, c'est bon, je suis survolté. C'est quoi, ça? Oh, il est complètement survolté, ça y est. Ça, c'est ce qu'on appelle un Jedi amoureux. Wouhou. Je vole. C'est énorme. Ouais, oh. Putain, quel amoureux, tu lui fais pas, lui, hein. Même des TIE. The fuck. Ah là, ils ont mis le paquet, là, c'est... C'est le bouquet final, là. Et là, c'est bon, il est amoureux, rien ne peut lui arriver. Oh, tu montes sur son bras. Oh là 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 là. Incroyable. Il vole. En fait, l'amour donne des ailes, hein. Ça a jamais aussi bien porté son nom que maintenant. Enfin, l'expression n'a jamais aussi bien marché. L'amour donne des ailes. Voilà. Il est boosté à bloc, là, notre Cal. Ça, il fait des balais aériens avec la mérine. Ça y est, on ne l'arrête plus. La force, pff, maîtrisée. Pas besoin de la force, suffit de l'amour. L'amour est plus puissant que la force. C'est ça qu'ils n'avaient pas compris, les Jedi. Et comment je fais, là, là? Parce qu'en fait, ils ne voulaient pas tomber amoureux. Mais ce qu'ils savaient pas, c'est que s'ils tombaient amoureux, ils allaient devenir plus forts, en fait. Regardez-moi ça, Cal. On l'arrête plus. Et en plus, on va se faire une machine. Non mais, parfait. Ok, now. On se la joue à la Starkiller. Mais attends. Incroyable. Je comprends pourquoi vous vouliez que j'arrête pas. Je comprends pourquoi vous vouliez que je continue. Hein? Hein? Non mais... Non mais... Oh le bonheur. Ma waifu. Mais non, mort de rire, sois patient. Elle était à moi. Il m'a piqué ma meuf. Et je vais la zigouiller, ce Jedi. Oh, Sia, tu reviens pile au bon moment. T'as loupé le bisou, par contre. L'amour nuit à la force, ne sombre pas. Bah, tu vois que le gars, là, l'amour lui a donné des ailes. Hein. La grosse connerie que je viens d'entendre, j'aime pas les Jedi. Épique. Ah là, ouais. Là, franchement, je m'attendais pas à une phase comme ça. Incroyable. Pas où on va, mais on y va, là. Hein. Tu nous emmènes où, Mérine, là? Tu nous emmènes droite à ton cœur? Ah bah voilà. On peut s'arrêter, là. C'est magnifique. Ça va? Tu veux que je m'occupe de toi, Mérine? Est-ce que t'es fatigué? T'es fatigué, Mérine? Tu veux que je m'occupe de... Non, d'accord. Okay. Eh bah, les amis... Eh ben les amis, les Jedi sont désormais mes ennemis. Je les éliminerai tout jusqu'au dernier. T'as fait une bonne sieste, Sia? C'est fini? Oui, mais dans
je mange et dans 30 minutes environ, 30-40 minutes, je refais un live sur Minecraft avec tous les gens du Discord. Le bouquet final, ouais. Kishni qui a la dalle. Oui, oui, là, j'ai... Non, j'ai faim. J'ai vraiment faim. T'as pas fait que la sieste. Ah, t'as réservé ton séjour pour le concert Genshin. Oh, mais oui, t'as fait... Attends, parce que c'était toi qui avais gagné. En Allemagne, c'est ça, non? Et t'as mangé. D'accord, ah ouais, t'as fait plein de trucs, quoi. Oui, t'as faim, on comprend. Oui, oui, j'ai faim, oui. Bon, bah voilà. Voilà. Oui, c'est à moi, j'assume mon billet splat. Ah, ouah, trop fort. À Düsseldorf, ok. Le 20 janvier. On dirait une école de Poudlard, Düsseldorf. Ou le frère de... Bon, bref. Par allégeance, je suis lié à la République. Et oui. Bon, on se retrouve dans... Le temps que je mange, laissez-moi manger. Et dans 30-45 minutes, je relance. Et on va se faire du Minecraft. Et au... Vous savez quoi? Attendez. Mais je sais pas combien de temps va durer le live Minecraft. Si je commence à 15h pour moi, je peux jouer... Alors attendez, je vous dis ce qui peut se passer. Vers 15h chez moi, je commence Minecraft. Donc ça veut dire que c'est 21h pour vous. Je pense que je vais pas faire plus de... À part s'il y a quelque chose, je vais pas faire plus de 2h, 2h30 de live. Minecraft. Donc ça veut dire que pour vous, ce sera 23h, 23h30. Donc ce sera assez tard. Mais après, je vais manger. Et en revenant, si vous êtes chaud... Mais alors là, ça s'en ira à presque 1h du matin pour vous, hein. Ce sera possible que je fasse un live Genshin. Mais là, je suis pas sûr. Je pense qu'on va réserver le Genshin pour demain. Peut-être que je jouerai à Genshin ce soir, mais peut-être pas en live. Qu'est-ce que je fais? Ou alors je lance un live, mais je sais qu'il y aura personne, quoi. Ouais, ouais, c'est tard. Non, mais c'est pour ça que je pense pas à live. On inverse. Non, j'ai promis à tout le monde que là, j'allais les rejoindre dans une demi-heure. Donc non, je reviens... Je reviens jamais sur ma parole, je la trahis pas, quoi. 300 euros en moins? Attends, pourquoi? Parce que t'as dû réserver... Ah ouais, parce que t'as dû réserver ton hôtel et tout. Le cadeau empoisonné, tu sais. Aïe, ça fait mal. C'est pour ça que, ouais, ce soir, ouais, je pense que je vais juste jouer de mon côté. Voilà. Et oui, train, avion, hôtel... Ah ouais. Attends, avion? Si tu vis en France, tu peux pas juste aller en Allemagne en train? C'est une galère pour aller jusqu'à Düsseldorf, c'est à ce point-là. Ok. Je suppose que t'as pris le train pour aller jusqu'à l'aéroport en France, et de là, t'as volé... tu voles jusqu'en... 8 à 9 heures en train. Ah ouais. Eh ben... Et c'est quand? C'est quelle date? En tout cas, moi, là, je vais devoir y aller. On s'en reparlera. Si tu veux m'en parler en détail, tu sais où me trouver sur Discord. Et même en avion, j'ai une escale. Quoi? Mais attends, mais c'est n'importe quoi. Gros rompiche. Concert est le 20 février. Ah, le 20 janvier. Eh ben. D'accord. Eh ben, c'est... En plus, c'est tôt, quoi. Ben c'est bientôt, là. Eh ben, dis donc. Bon, bah, ben, courage, hein. Tu m'en diras des nouvelles. Allez, eh bien, c'était un très bon live. Très bonne séquence qui a fini en bouquet final. Salut à tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci pour toute votre générosité aussi. Yep, je t'écris OK. Et eh bien, écoutez, à dans une trentaine, quarantaine de minutes sur Minecraft. Merci à tout le monde. Et à la prochaine. À bientôt, à tout de suite, à dans pas longtemps. Ciao, ciao.